Bonjour, 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 comment on dit, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon dimanche à tout le monde, bonjour. Bonjour Zamimio, bonjour tout camarade, bonjour collègues. Comment nous y? C'est un plaisir vous m'avez nous matin là. Et BBJ 109 avec nous. Et comment nous y? Bonjour. Matin ça nous va faire un bel débat matin là. Bon nous connaît. Yves, comment il partage la vla vous, hein? Il partage la vous. Et dans BBJ 109, nous avons toujours continué à faire la différence. Nous avons salué tout le monde, tous les amis, les conditionnels fans qui toujours comprennent l'importance de la vie. Nous avons partagé la vie dans le groupe, le matin. Et bon, bon côté, pas mal de faire ça. Nous salué tout le monde, tous les amis. Je vais faire une belle analyse avec nous. Et l'analyse que je vais faire avec nous, là, c'est que nous des outils qui vont permettre de nous comprendre le phénomène politique haïtien. Et nous, là, camarades, nous, là. Comment nous y est? Nous, là. Et c'est la vie pour un bijou. Fisner bijou. Soldat solide. Salut aux camarades. Et salut tout le monde. Bon matin là, nous-mêmes, nous connaissons ces moments pas, non? On est... Tout d'abord, avant que nous commencions, non seulement ma priorité, mes vives salutations à tous. Comment est-ce camarade? Nous, là, oui, camarade. Bon, son plaisir et bon salut très fort matin. Merci, quand même, ça fait un plaisir. Et je ne sais pas si tu as avancé. Beaucoup fait débat. Beaucoup commencé, non, là. Ok, je pense que. Quand même, nous, c'est membre de l'Église de la prophétie. Plaisir. Eh bien, quittez mal faire exposer, hein, comme fin faire exposer, hein, et puis vous arrivez après pour participer, ok? Bah, combien bien? Quittez mal faire exposer présentation, hein, après ça, vous arrivez ou à participer, ok? D'accord, sans plaisir. Eh bien, pas de problème. Vous pouvez toujours arriver après et puis faire exposer, ok? All right. D'accord, sans plaisir. Ouais. Est-ce qu'ils sont pas bien? Mes chers amis, BBJ 109 et de la part de camarades, d'un frère, il s'agit de notre camarade Jean-Frédéric. Jean-Frédéric a perdu son père malheureusement ce matin et nouvelle la Tévin joint nous. Et moi-même, personnellement, j'ai eu un échange avec Jean-Frédéric. J'ai demandé l'autorisation, bien entendu, pour me partager la nouvelle avec nous, camarade BBJ 109. Et en de telles circonstances, nous toujours, nous-mêmes, dans BBJ 109, nous montrons nous solidaires à nos frères, nos camarades de lutte. Et encore une fois de plus, au nom du BBJ 109, et en mon nom personnel, je veux présenter mes propos de condoléances à notre ami et camarade Jean-Frédéric. Et nous sommes bien sûr convaincus que chaque monde en dedans BBJ 109, chaque membre, prêt pour yon porter soutien yon et support yon à camarade là qui a traversé un moment difficile. Cependant, il y a quelque chose, la caille Frédéric ce matin, pendant que tu as échangé, qui était vraiment intrigué, mais qui t'a attiré l'attention. C'est lorsque je t'ai fait me comprendre que
mon cher Lavoisier, et c'est vraiment difficile un moment, mais ça n'empêche pas pour autant que nous continuions la bataille. Vous savez, ça, ce sont en effet des une série d'éléments caractéristiques qui montrent un véritable soldat. Un soldat, il rend compte que, bien entendu, dans un moment difficile que l'a traversé, mais ça n'a pas empêché que lui fait montre, bien entendu, de velléité, de bravoure, de courage, pour continuer dans la lutte que l'a menée, hein, à travers les réseaux sociaux, bien entendu, pour nous capables, ouais, dans qui mesure nous capables d'accoucher nouvelle société que nous rêvons. Et ça t'est vraiment touché, mais elle t'a dit ça, et me demander l'autorisation pour me capable de présenter et condoléances nous au nom de Bébé Gisson 9 dans le live matin. Eh bien, mon ami et camarade Frédéric, encore une fois de plus, je vous souhaite mes condoléances, mes plus sincères, et je souhaite au courage, dans le moment où ça va traverser, là, que Dieu, dans son amour infini, capable de force, ou capable de continuer, non seulement en tant qu'un père de famille, dans le travail ça va faire, mais aussi dans la responsabilité citoyenne et patriotique vis-à-vis du pays. Et je souhaite que chaque membre Bébé Gisson 9 soit capable de renouveler ses parties et capable de présenter aux condoléances matin par rapport avec le moment difficile ça que l'on a traversé. Et mes chers amis, encore une fois de plus, je tiens à vous saluer nous toutes. Et c'est un plaisir pour moi, pour moi avec moi. Et de jour en jour, salut du Lex. De jour en jour, au niveau de Bébé Gisson 9, nous sommes en train de faire le constat. Et le constat est de plus en plus flagrant, compte tenu bien entendu de notre capacité à pouvoir mettre en évidence notre niveau de compréhension et d'analyse en ce qui a trait bien entendu à l'évolution de la situation sociopolitique et culturelle de notre pays. Il n'y a aucun doute sur ça. Pas de doute sur lui. N'importe qui a besoin d'une certaine compréhension, qui a besoin de cerner la réalité politique, économique et sociale du pays, bien entendu, la référence, c'est Bébé Gisson 9. Nous pas fait la plaisante, nous pas là pour nous faire jolet. Mais nous là, tout le monde capable de dire, vous devez choisir pas de dire, parce que vous avez l'esprit mesquin. Vous devez choisir pas de dire, vous avez l'esprit qui est un genre pauvre, comme vous savez, nous connaissons très bien nos frères haïtiens dans leur mesquinerie, dans leur mentalité chétive. Ils ont une mentalité chétive, ils n'ont pas de courage moral pour apprécier les valeurs. Alors ils ont toujours cette tendance à pouvoir, bien entendu, exercer une forme de mesquinerie pour cacher, bien entendu, leur profond inquiétude et leur incapacité, habilité, inhabilité pour apprécier de bonnes choses. Et ça, oui, le problème de l'haïtien. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients de notre capacité, de nos capacités, de nos valeurs, de ce que nous sommes. Nous avons la certitude que nous sommes de bon côté, nous avons la meilleure part, et nous prêts, bien entendu, avec beaucoup d'élan de charité, d'amour et de fraternité, pour nous partager nos valeurs, nos compréhensions, nos connaissances avec nos frères et nos sœurs sur notre Bébé Gisson 9. Et c'est bien malheureux, bien entendu, que un peu le monde pas qu'à comprendre. Nous pas là dans Bébé Gisson, nous pas aller vivre, nous pas aller à bas, mais nous sommes là, bien entendu, pour vous aider à cultiver un esprit critique, un esprit aiguisé, un esprit d'analyse et de synthèse, pour capable appréhender la réalité politique et économique de notre pays. Et ceci, nous avons des méthodes. Nous avons des méthodes en matière, nous avons des méthodes, des techniques pour nous faire travailler ça. Et Bébé Gisson 9 va être l'émission ça. Pour lui décoloniser, déconstruire et aussi pour nous capables de démystifier. Oui, démystifier. Les idoles. Les idoles. Nous ne sommes pas
Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers, bien sûr, à pouvoir nous lancer dans cette lutte de démystification, de déconstruction et de décolonisation que le système en place mettait sous peuple haïtien, qui empêchait nous, bien entendu, arriver et faire valoir toute potentialité que nous gagnons pour nous accoucher une nouvelle société. Cependant, nous autres, au niveau de BBJ, nous avons pris nous prenons recul pour nous capables de faire valoir notre point de vue via Facebook, via live nous. Et même là, on comprend. Au cas où, toujours venir faire petit plein. Bon, ça, cela se comprend. Nous avons toujours. Et nous faisons objet de discrédit. Il y a discrédité. Nous avons qui dit, ah mon cher, monsieur, pas, la voisine est fou, la voisine dit ceci, c'est là, il dit, ça ne parle pas, monsieur, pour. Non, on connaît, il va faire discrédit, mais pas quelqu'un qui a courage pour venir faire débat. Ça, il y a clé sur lui. Seulement bébé, j'ai contre sa clé. Pas quelqu'un qui a courage. Pas quelqu'un qui a courage. Il y a bradoté dans le corps, il y a dit ceci, c'est là, mais pas quelqu'un qui connaît qui a venir faire débat. Niveau intellectuel, là, il connaît ou pas capable. Et il y a une raison qui fait ça. Il y a un plus grand problème qui vient, c'est que. Il y a un compte que l'esprit m'aiguisé. L'esprit pointu. Yo connaît ça. Alors, c'est la raison pour laquelle que est obligé plutôt entrer dans une démarche de discrédit. Puis y a discrédité. Les nègres ne sont pas capables de faire un argument. Ils ne pas capables entrer dans un débat pour faire un échange. Un échange dialectique pour gagner des contradictions. Pour mettre en évidence, pour défendre une position. Pour avancer des faits, des arguments. Pour soutenir tes. Pour produire. Ils ne sont pas capables. Alors, il est obligé d'entrer dans une démarche pour y avoir des bagages. Maintenant, au capable d'arriver dans une position côté que cette mesquinerie. Et après, moi-même, des fois, je me regarde un peu le monde sur Facebook là, et puis je m'attends de yo. Je me fais entendre de yo, et puis je me dis, bon, on connaît. Écoutez, je me demande de yo, qui ça au café? Gagnon qui te un petit problème avec. Et puis, moi, le bouton haïtien, comment l'intéressant, il était un petit problème avec moi, il vient en bas live. Moi, attendez, il vient en bas live, moi, la jure, il dit ça n'est que ça a dit là, je ne sais pas comment ça l'a dit, il va gagner, il va gagner. Et puis, quand on lève, moi, il y a une radio, il y aurait une radio pour m'intervenir. On a, je ne sais pas, ouais, moi. Et puis, ma fait intervention, m'a élaboré, pensez, moi. Et puis, m'a développé, m'a avancé des arguments solides pour supporter position, moi, thèse, moi. Et puis, moi, monsieur, alors, monsieur, moi, c'est pas de connaître, là, le convient en bas là, moi, monsieur, écrit en bas là, là. Monsieur dit, waouh, nest ça qu'a parlé à la, en bas radio, nest ça qu'a parlé à la, oh, monsieur, bon, monsieur, ah, ici, ça, bon, non, ça l'a dit à monsieur, gardon, nest qu'a parlé, nest ça fort, nest ça qu'on l'a dit à bien, monsieur, maîtrisez matière là. Et, attendez, il l'a dit, mais, au conseil, non, radio, m'a parlé, mais le pas. Il va qui est-ce qu'a parlé, il raconte qui est-ce qu'a parlé, et il attendait. Il attendait, il va bien sonner en bas. Ma moto haïtien, comment haïtien dangereux. Et puis, il y a, ma garde en bas, là, en bas. Et puis, monsieur dit, oh, haïtien, ça bon, nest ça fort, mais monsieur, nest ça bas. Mais, il s'est oublié s'il était convenu en bas, là, il m'a dit, et puis, il a dit, oh, ça n'est pas dit là. Ah, il a parlé là, gardez-le, c'est haïtien. Il a fait, ouais. Soit fou un bagay pour le pays d'Haïti, si c'est sur Haïti, ou regarde pour faire le chiri, ou faire pour le pays ou parce que c'est haïtien tout, ou même un pays ou qu'on est engagé dans l'esprit citoyen, dans l'esprit de patriotique pour faire bagay. Mais suppose c'est cette mentalité mesquin cabrit, mentalité cribiche, haïtien qui actuellement là dans le pays d'Haïti. Suppose c'est haïtien qui prend le bon crédit, qui prend le courage pour le mon cher ou bon vrai. Haïtien, il y a plutôt bon sec, camarade. Ou bien, bon mourir déjà. Alors, c'est là. Alors, ouais, mentalité crabe ça nous gagne. Hein? C'est une mentalité qui toujours a pêché nous avancer. Parce que c'est une mentalité qui anti-progrès. C'est une mentalité qui anti-progrès lié. Haïtien, c'est une mentalité anti-progrès. Haïtien remè boss, li remè zin. Li remè côté moun ap bouizin. Li remè côté moun ap tire wash. Li remè pour moun nan niveau sale même javel. L'irait mais Poutine est tête grande toujours à driver même Javel pour le sentir que le bon supérieur avec c'est l'haïtien. Et maintenant je commence à venir comprendre pour qui raison
Haïtien toujours entre dans la dynamique ça. Parce que Haïtien toujours fait politique avec l'émotion. Pas oublier, et puis l'oublier que la politique c'est une science. La politique c'est une science, c'est-à-dire les grandes dimensions rationnelles la donne. C'est-à-dire l'objet de la politique en tant que tel. Romain, les gagner, il y a une dimension de rationalité la donne qui permet d'appréhender dans une certaine mesure les phénomènes politiques. Sinon, c'est avec sentiment à faire politique. Romain, à ce niveau-là, c'est difficile pour cerner les grands enjeux de la politique et pour capable appréhender dans le fondement de ça politique. Hein. Et à faire parler des sciences politiques. On ne parle pas de la science politique, on parle des sciences politiques. Roman, les sciences politiques. Parce que l'offre analyse de société haïtienne, l'offre analyse marxiste, normalement, on parle d'une compréhension de la politique. La politique à ce niveau-là est conçue et compris comme étant faisant partie de la superstructure. Maintenant, si vous n'avez jamais été initié à l'analyse, hein, à l'analyse primaire et maîtriser les notions et les concepts élémentaires de base qui servent comme outils opérationnels pour appréhender la réalité, pour étudier la réalité, pour faire de la réalité l'objet d'études et d'analyse. C'est difficile pour comprendre là où on a parlé. Maintenant, puisque vous êtes dans l'incapacité totale à appréhender, c'est-à-dire votre compréhension de la chose publique, de la gestion de la cité, votre compréhension du phénomène politique est limitée. Maintenant, on pourrait tomber dans ce qu'on appelle une sorte de amateurisme, une sorte de ça les charlatans. Quand on est tombé dans charlatan, on va faire une série de démarches, ou pas même qu'on soit dit, les mouna pas les dimensions à tellement niveau, ou les nous entrer dans le niveau technique et phénomène, qu'on n'y a aucune difficulté, ou préférer jouer, ou préférer retirer corps, ou préférer aller dans la bordaille. Mais c'est une raison qui fait que je suis toujours kembe, live moi au niveau yo. Oui. Je suis toujours kembe. Ou maintenant de me descendre là, ma petite race, ma pradoté avec nous, ma pradoté avec un pile moun, à un moment donné, pour être comme ça, je me vire, va, je me lève niveau. Je me lève niveau parce que haïtien, c'est comme ça le comprendre. Parce que du moment qu'on est dans niveau en bas, là, avec là, il va comprendre rien d'autre que dans niveau rité avec là. Mais maintenant, du moment qu'on lève niveau, va, puis le marre, le gêné, il va comprendre comment pour appréhender bah là, parce que c'est pas faute ou non, ou pas responsable. Ou pas responsable de lui-même. Mais puisque on est dans niveau là, et puis il a un comportement crabe. Yon mentalité crabe cribiche. Et puis là, bat pour le grade ou descendre. Et puis qu'on y a plus qu'on change niveau, on change dynamique là, ou change et repère yo, ou rééquilibrer et débat, ou lever niveau. Et puis qu'on y a automatiquement, li pas jeune intérêt là-dedans. Parce que le pas à voler. Zelle li coupé, zelle li cassé. Du moment qu'a ici a bon problème ou voler. Et premier côté ma prenne bagage là, premier côté ma prenne bagage là, c'est le. C'est le map gade haïtien. Haïtien toujours prêt pour venir parler dans le débat. Moun. Et puis, le besoin limité haïtien en vrai dans le débat. Ou. Ouan, le besoin limité haïtien dans le débat. Premier bagay nèg yo bourgeoisie, l'élite intellectuelle haïtienne n'en fait. Ou kon sa ouvè, yo utilise le français. Parce que c'est une barrière. Et puis, yo utilise le français à bas. Quand yo fin utilise le français à, et puis zépété. Zépété. Kon y a depuis yo y a parlé français, on y a ou même qui pa ka parlé français. Ou pas exprimer pensons à travers une langue qu'on va maîtriser. Maintenant, qui ça te passe ou là? On prend un courri. Quand on boude, c'est soit fermé bouche ou boude ou aller, ou bien on tire pied. Eh, ça, et comme ça, oui, bourgeoisie haïtienne a utilisé, l'élite haïtienne, l'élite intellectuelle a utilisé le français comme outil d'exclusion sociale, comme un instrument pour exclure les gens dans le débat politique qui gagne dans le pays d'Haïti. C'est ça l'enjeu. C'est un enjeu crucial, la problématique de la langue. C'est un gros problème lié, c'est un gros enjeu. Hein? On grand jeu. Alors, vous comprenez? So, basically, c'est un élément majeur qui va être problème. Eh bien, mes chers amis, ce matin, nous allons continuer avec nous pour nous capables de permettre de nous comprendre les phénomènes de crise. Nous entendons de vous parler de crise souvent. Les conseillers spéciaux politiques du président de la République, à savoir Guichard Doré Lubéris, n'est-ce pas, il y a un discours qui a prôné. Il a prôné un discours, bien entendu, qui fondait, bien entendu, il a cherché légitimité pour l'action
de l'exécutif. Légitimité, ça, il a cherché justifier à cause de crise qui gagne, crise politique. La crise politique actuelle, c'est lié au servir avec lui comme alibi, bien entendu, pour justifier le comportement, les dérives autoritaires, les dérives autoritaires du régime PHTK, à savoir l'exécutif qui prend des décisions anticonstitutionnelles, des décisions illégales, contraires, qui ne sont pas conformes à l'esprit, non seulement à l'esprit, mais aussi avec ce qu'on appelle la lettre de la Constitution. Et une Constitution, bien entendu, devrait être comprise. Une Constitution devrait être comprise comme étant le fondement de toute activité étatique. C'est en effet le gage. C'est en effet le gage de stabilité institutionnelle, politique et sociale. Maintenant, à partir de cette compréhension et perception de la Constitution, que nous comprenons comme fondement d'activité étatique, comme un gage de stabilité institutionnelle et politique et sociale. C'est la raison pour laquelle qui exprimait l'existence même d'une Constitution. Parce que la Constitution lui garantit en quelque sorte un degré de stabilité institutionnelle et stabilité politique et économique aussi. Pour qui raison? C'est ce que je vais essayer ce matin de justifier, de démontrer, bien entendu, à partir d'un ensemble d'un arsenal argumentaire pour me capable de faire nous comprendre. L'importance du droit constitutionnel. Et ceci m'a prescrit le cadre, ça qui expliquait, je ne le dis pas, pour qui raison? Vous comprenez? Pour qui raison? La mort, docteur là, il fait mal à ce niveau. Il fait mal à ce niveau parce que en tant que professeur de droit constitutionnel, il fait mal. Pour qui raison il fait mal? C'est parce que nous, qui pour nous payer la mort, nous qui pour nous payer la mort, professeur ça, en pile. Nous gagnons pour nous payer. Le peuple haïtien en général gagne pour le payer. Nous gagnons pour nous payer 10 ans. 10 ans. Nous prenons 10 ans. Nous prenons subir des sorts. Peut-être assassinat. Professeur ça. Ce n'est pas seulement du fait que nous assassinons un homme. Nous assassinons un esprit. Nous assassiner un esprit. Un esprit qui t'a veillé. On est dans la société haïtienne. On repart. Nous assassiner un repart. Et n'a payé. Haïtien a payé. Marqué samedi nous n'a payé pour 10 ans. Notre méchanceté li allé trop loin. N'a payé. Et nous fait commencer à payer. Parce que nous n'apprécions pas les valeurs. Nous avons un gros problème fondamental dans la société haïtienne. Nous seulement, nous tuons le bâtonnier. C'est tout le système judiciaire qui prend coup, qui est attaqué. C'est tout le système judiciaire qui prend coup avec l'assassinat du bâtonnier. Et ceci explique bien entendu que c'est un gros phénomène qui existe dans la société haïtienne. Dion lutte acharnée contre ça y est la justice. La juridiction en dedans la société haïtienne, yo réduit à l'impuissance. Yo pas qu'à servir société a, j'ai ta supposé servir là. À cause de la méchanceté, à cause du non-respect du droit. Le droit n'est plus respecté en Haïti. C'est une culture. Pas de société vraie sans droit. Parce que le droit, c'est un outil de régulation. Le droit, c'est un outil de régulation. C'est à partir du droit, c'est avec le droit qu'on régule les relations et les rapports à l'intérieur d'une société. Depuis une société pas de droit, et que l'on dit droit comme instrument de régulation, où est la notion de justice? Parce que puisque il y a droit, il faut qu'il y ait justice.
Et notre système judiciaire, je ne j'en dis rien, qui vient tomber dans une situation côté que l'y exposé. L'y exposé. Et c'est ça qui explique la société a, qui fait la dérivée, la gringole comme ça. Nous avons fondé le droit. Nous fondons le système judiciaire, nous, hein, sur le droit positif. Sur le droit positif. C'est ça nous fondons. En même temps, nous fondons le soulier, nous avons prouvé, démontré aucun respect pour le droit. Et c'est ça d'expliquer qui fait nous tomber dans la crise. Nous n'avons pas cette culture. Nous avons une culture qui consiste à résoudre nos problèmes par la violence, par la force. C'est ça nous gagne comme culture. C'est ça nous gagne comme culture. Et c'est ça qui a tué moun qui baille le doigt l'importance comme mécanisme de résolution de conflits et de crises pour nous utiliser le doigt. Nous raillons moun ça, nous détruisons dans la société haïtienne. Parce que nous avons un penchant pour les bêtises. Nous avons un penchant pour bêtises même. Nous avons un penchant pour barbarie. Nous avons penchant pour violence. Nous avons penchant pour nous valoriser l'imbécilité idiotie en dedans la société haïtienne. C'est pire. C'est une pire société qui te kagen. L'aime garder, l'aime faut analyse exhaustive de société haïtienne dans fondement société haïtienne là. Vin remarquer que c'est pas ça pas étonné aujourd'hui pour nous ouais que il y a une difficulté considérable pour nous arriver à accoucher démocratie dans la société haïtienne. Et normal, nous pas accoucher. Comment on veut pour nous accoucher? C'est difficile. Vraiment. C'est vraiment difficile pour nous arriver à faire ça. Et c'est tout le problème, mes chers amis. Voyez? C'est tout le problème. Nous arrivons au moment où nous disons, c'est crise sous crise que la société a généré. Crise sous crise. Nous n'avons pas une culture de dialogue. Nous n'avons pas une culture de consensus. Les mécanismes de résolution de conflits, nous pas utilisés. C'est la raison pour laquelle que Mbouaï nous dit ça. Journée aujourd'hui, on a toujours d'autres Montferriers qui ont tombé. Montferriers. C'est pas le premier Montferrier de Paltombe. Nous prenons le Montferrier de Paltombe. Parce que Haïti, je ne veux dire, c'est une société, côté que c'est un jungle. C'est là qui a plus gros âme maintenant, qui a fusillé mon nom. C'est lui qui a la loi. C'est la loi de la jungle, mon frère. Là, non, une question de droit, de résoudre ce conflit de justice pour mon aller au tribunal. Ou pas, ouais. Pascal, il a arrêté Pascal Alexandre, en police, et fait 8 mois de prison. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, mes chers amis. Si vous ne comprenez pas la société haïtienne dans son essence, c'est normal pour la victime de lui. Le policier, en tant que tel, Pascal, le jeune Pascal, il a mis en prison de façon arbitraire. Le film met en prison de façon arbitraire parce que nous pas respecter la justice. Il a fait monsieur de façon préventive pendant 8 mois. Sans que monsieur va arriver au juge. Sans que monsieur va arriver au juge. Maintenant, il a fallu que monsieur 609 Fantomio mette coup de samedi. Yo boule 15 machines. Yo bloque un pays. Yo pété l'ambert pour demander libération, Pascal. Il a fallu que ces hommes brandissent Zamio, mettent Zamio juste dedans pour yon menacer sécurité boule, entrer dans l'appareil l'État, dans le building l'État, ou boule machine, fout diffé. Faut l'État te faire des pertes considérables. C'est pour l'État ici, on te fait des pertes considérables en matière de machine logistique. Vous comprenez? Saisi clé, moun bloqué pays, et puis moun après les insécurité à gauche à droite, nèg a kagoul avec zam, rele tête yo 609 photos, m'a semé la terre, brisé pays, et puis c'est seule façon pour nèg yo, pour Pascal, te jeune libération, ou en pays, ou en société. La loi en est dans pays, mais ton nèg dans prison, mais tellement nous mesquins, nous utilisons la loi mal. Nèg la là en prison, nous reprocher nèg la en bagay. Mais nèg la on juge. Nous prenons nèg la nous fout li en prison pour 8 mois, seul pas j'ai une opportunité pour passer devant juge.
Nous qui belle en prison, Bounda la pourri en prison, sans qu'elle pas jamais caron juge destruction. Qui pour dire mais qui ça reprocher, qui pour décider sous sol. Nous juste qui belle en prison 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois Bounda la pourri en prison. 5 mois, 6 mois, 7 mois Bounda la pourri en prison. Et puis nous même n'a roulé dans gros machine nous. Tout monde chita sur Bounda dans pays après les bike. Et puis nous plié ça nous fout dans prison. C'est-à-dire nous utiliser le droit comme un instrument, la justice dans pays, l'appareil judiciaire est devenu un outil d'oppression entre les mains de l'exécutif. L'appareil judiciaire est devenu un outil d'oppression entre les mains de l'exécutif. C'est-à-dire l'exécutif a instrumentalisé l'appareil judiciaire pour un jeune garçon, pour le foutre en prison, qui t'a servi dans la police, et puis le foutre en prison, il dit le reproche l'on bagaille. Et puis qu'on a pour le nègre fait 8 mois en prison, Bouddha l'a grillé, c'est que le poko compte qui sait la justice décide pour lui. Maintenant, il a fallu à ses camarades, qui pour mettre griffes de recoute, zam commence à tirer, bloquer pays, bouler machine l'État, pour ne pas arriver passer devant l'État. Où on l'État, où on société n'a vive. Mais caca, oui, mais société de Jolbo qui est, n'a vive là. Mais société, on société pour y sentir, oui. Maintenant, il a fallu que les membres du groupe 509 fantômes, tous ces mouns d'apoyant, fout coup de zaman, bloquer pays, mais parce que quelqu'un pas t'a fait, les nègres, l'État a rendu compte que vraiment, pays a menacé, sécurité pays a menacé, lui oblige maintenant à amener tête à la raison. C'est la seule façon pour amener sanguinaire ça à la raison. C'est l'usage de la violence et de la force. C'est le seul langage qu'ils ont, que vous comprenez. C'est le langage violence, c'est le langage bloqué pays, c'est le langage coup de zame, c'est le langage soupaboule. Monsieur, écoutez, c'est ça ma moutre. Affaire élément, ça lit très révélatrice, affaire Pascal là. Donc société qui pas reposé sur le droit, son société qui a fonctionné sur la force. Entre la force et le droit, la force a primé. Alors que la force devrait être au service du droit. Ouais, caca. Alors que la force devrait être, nos sociétés démocratiques, la force est au service du droit. La justice prononce le droit, au monde, et la force exécute le droit. Ça c'est nos sociétés démocratiques. Quand les monde état de droit, quand les respecter, yo respecter société qui, quand les monde respecter la loi. Hein? Est-ce qu'on connaît un problème non? Ça veut dire n'est yo rive dans situation si n'est de pas mettre zam yo dehors. Yo va péter Bounda pays. Yo va bay délai, yo va foutre coup de zam pour faire manifester ou en pays. Bon, mais sérieusement. Ou en pays? Ou on se connait ou mande mounia pa mande mounia pour qui raison yo tire bâtonnier ou pour qui raison pa mande mounia pour qui raison yo tire bâtonnier monsieur sont sérieux pour qui ou société ou on qui mais t'aime dit non si bagaille peut-être nous qui doit pas comprendre ça pas dire là on aller élaborer pour nous comprendre. Vous allez là-bas. Vous avez un problème. Mais vrai problème. Moi les mêmes étudiants en France, ils ont toujours appris moins. Il y a deux façons de résoudre le problème. Il y a deux façons de résoudre le problème. Il y a deux façons de résoudre la crise ou de résoudre le conflit. Ce soit on utilise le rapport de force. Coup de zame qui a tiré, ça gagne. Et l'élite fait la loi. Ou bien, ou utiliser dialogue, ou utiliser consensus, ou utiliser compromis, qui c'est moyen efficace là pour résoudre problème. C'est-à-dire que, y a une façon pour résoudre crise, c'est trouver un accord, c'est trouver à travers le dialogue, ça c'est dans situation de démocratie. C'est-à-dire, c'est mécanisme de démocratie mettre en place pour résoudre problème. Les crises politiques. Lors de démocratie, démocratie, c'est la résolution pacifique des crises pour permettre, pour favoriser ce qu'on appelle la stabilité politique, économique et sociale. C'est une raison qui fait que nous apprenons la démocratie. Parce que c'est le moyen par lequel, non seulement la démocratie évite les conflits politiques, crises politiques, mais aussi les doter, bien sûr, le régime
L'État en tant que tel, de ensemble de mécanismes, de outils de résolution de conflit qui pour permettre que le pays n'a pas tombé dans le champ de la guerre civile. Ça, c'est un élément important en démocratie. Parce que démocratie, c'est ça le lieu. Au lieu de nous faire un coup d'État dans l'élection, ça, c'est démocratie. Parce que le coup d'État, c'est là, c'est Zamour aller, ou qu'a tiré moun, ou qu'a pété moun da moun, ou qu'a bagay. Au lieu de faire ça, ou à l'élection. Maintenant, la conquête du pouvoir, il se fait bien sûr par voie électorale. Lors de l'élection, qu'on y a là, ou aller de façon, son, au lieu de prendre âme, au lieu de prendre âme pour prendre pouvoir. Qu'on y a, c'est ça, démocratie à doux. Démocratie à doux, ou pas de prendre pouvoir par les âmes, ou pas de faire coup d'État pour prendre pouvoir, ou pas de faire rébellion à l'armée pour prendre pouvoir, ou doit aller dans les urnes. C'est ça, démocratie à enseigner, les élections. Ok. Qu'on y a dans l'élection. L'arrivée dans l'élection. Vous entendez? L'arrivée dans l'élection, élection 1, passé et ou pas bon. Qu'on y a des possibilités pour contester. Ok? Ou contester une résolution 1. Mais écoutez, le conseil électoral, il statue. Il y a un résultat. Maintenant, ou qu'a fait ou recours gracieux, ou qu'a devant. Maintenant, qui ça fait parler? C'est-à-dire que c'est ça fait à chaque fois en dedans pays. Hein? Gagnons crise électorale a pas débouché sur crise politique a pas débouché sur crise sociale là, crise politique a pas débouché sur crise économique a pas débouché sur crise sociale. Et puis, soit on dit à zimpéter, cycle vicieux, ça a qu'un ben nous n'en piège, en dedans démocratie, et puis démocratie va même pas fonctionner. Parce que le problème qui se pose, on a réduit la notion et le concept de démocratie avec question élection. De vous dire démocratie en Haïti, c'est élection. Mais ce que nous avons oublié, mes chers amis, c'est ma première fois qu'on a fait élection dans le pays d'Haïti. Nous faisons pile élection dans le pays d'Haïti. Même là, nous avons un régime parlementaire, parlementariste à côté que l'élection directe qu'on a fait, indirecte. Côté le président de la République, t'es toujours élu par une assemblée. Et bien, il n'est pas élu de façon par voie et suffrage universel direct. T'es toujours gagné élection. Les députés, les sénateurs, à l'époque, c'est dans le pays d'Haïti, avant 1946, c'est toujours dans l'élection. Allez, oui, pour une candidat. C'est toujours dans l'élection. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une démocratie? Tu réduis les élections avec démocratie. C'est qu'on a une conception vraiment, vraiment limitée de ce qu'est la démocratie. Ok? Ou une conception vraiment limitée. On va dire non, tu n'es pas élu, Duvalier était élu président. Duvalier a été dans les urnes. Il a été élu président en 1957 par les urnes. Le monsieur arrivé au pouvoir. Est-ce que ça t'a empêché, monsieur, mettre un régime dictatorial, craser toute parti politique, hein? Est-ce que ça t'a empêché de faire ça? Non! Elle a dit que réduire la démocratie, c'est une approche, c'est une vision réductrice de la démocratie. On va parler de démocratie chaque jour et pour penser après du démocratie avec l'élection. Non. Non! C'est une aberration. Ou qu'a fait ça? Au contraire, l'offre ça son temps ou faire avec la République là. Nous avons un exemple récent. 1991, nous devons faire élection. Nous mettons Aristide. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Aristide arrive au timon des affaires de l'État. Maintenant, politique, monsieur Mené, il n'est pas à l'aise avec ton secteur dans notre société. Et puis, il a mis ce coup d'État. Elle a dit que cette question de réduire la démocratie avec la question d'élection, c'est la première fois qu'on a fait élection. Elle a dit que c'est un non-sens. Elle a dit qu'on velléité tout le monde, retourner, on fait élection, faites, comme si l'élection va résoudre le problème dans le pays d'Haïti. C'est que nous n'avons aucune compréhension. Nous n'avons aucune compréhension de comment la politique fonctionne. Nous ne pouvons pas chercher à résoudre vrai problème dans le pays. Qu'on a oui, nous parlons d'élection, on va l'élection. Ça c'est pas qu'il y a tête pété l'affaire. Pas qu'il y a un terre à terre, un monde qui vient de folie parler de démocratie. Il y a toujours appris en Haïti, il y a répété une série de gros causés, il y a répété une série de mots, oh démocratie, démocratie. On dit, mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Des notions élémentaires qu'on peut maîtriser, non? En matière de droit constitutionnel, il n'y a pas qu'à utiliser souveraineté politique, il n'y a pas qu'à utiliser les questions de représentation. Il y a tout le monde enragé, il y a un film débordé. Démocratie, il y a un film débordé. Lors de démocratie, c'est celle bagaille qui a eu l'élection. De vous dire haïtien, démocratie, élection.
tout qui haïtien, démocratie, son seul bagali ou en Mali. Élection à voter. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie pour haïtien. À voter. Date n'a fait élection dans le pays d'Haïti. Bon, ou quoi ça fait, hein? N'est-ce pas un coup d'État? Yo mette Conseil national de gouvernement, non, fi prend pouvoir, par la force, par coup d'État, et puis lui-même encore fait élection. Ou kaka? Mais on paye, oui. Mais on paye, j'avais dit, ou à propose, faire élection, c'est laver, mais si y a te. J'avais dit, nous avons cette culture de résoudre nos problèmes par, non pas par le droit, mais par la violence, par la force, l'usage de la force. Son bagay qui est très présent dans la vie politique haïtienne. M pa d'accord avoir un gros coup de zamwe, m pété moun dò. M pa d'accord avoir, m ga, c'est ça, t'as fait nous grand kaka comme ça. T'as fait payan tête en bas ouais j'en y a là. Allez ouais. C'est ça fait ouais, t'as fait doré di un bagay. Conseiller président doré di un bagay. Là elle avance tes li ali dit comme ça lorsque en période de crise, en période de crise la politique saisit le doigt. Lorsque elle avance tes li comme ça le dit oui, mais il a bien précisé en période de crise. Lorsque elle mettait ça comme au postulat pour dire en période de crise, c'est très fondamental. Elle a parlé de crise politique. Elle a parlé de crise politique, elle a parlé de crise de fonctionnement des institutions. Elle a parlé de incapacité institution pour répondre à des désirs à pays et population. Ça elle ça l'a parlé. Elle a parlé de crise ça. Mais en réalité, cette crise dans l'évasion financière, c'est là le problème avec Doré, avec la thèse de Doré. La crise dont il est question, il se réfère, la crise dont il s'agit aujourd'hui, la crise politique à laquelle nous sommes en train d'assister dans le pays actuellement là, c'est pas une crise qui est tombée du ciel. La crise n'est pas tombée du ciel. La crise a pris racine. La crise ça a pris origine. On est dans le pays même, dans l'incapacité institution politique pour être capable de résoudre le problème. Et c'est ça qu'on est là, des institutions politiques, il faut clair avec nous. Elle a dit, non seulement il y a une carence au niveau institution, tout le monde dans l'institution politique a fait, mesdames. Le Parlement a fait, mesdames. L'exécutif a fait, mesdames. Le judiciaire a fait, mesdames. Tout le monde a fait, mesdames. C'est-à-dire que la Constitution en tant que telle, depuis une crise institutionnelle, est normal pour le déboucher sur une crise constitutionnelle. Il est fondamental parce que si l'institution, dans le mode de fonctionnement, dans l'équilibre. Parce que c'est la Constitution qui organise, bien entendu, les institutions, les pouvoirs publics. C'est la Constitution qui organise les pouvoirs publics, qui institue le Parlement et qui institue l'exécutif, qui institue l'ensemble des institutions politiques à l'intérieur dans le pays. C'est la Constitution. Elle, pour qui ça l'institue, elle l'institue de façon, elle encadre les différents pouvoirs, c'est-à-dire attribuer des attributs, elle fait séparation des pouvoirs, en même temps, tout, elle fait équilibrage des pouvoirs. De façon pour le faciliter. Elle met en place des outils, des mécanismes qui pour permettre de résoudre le conflit pour ne pas déboucher sous sa réelle instabilité politique. C'est ça, oui. Constitution, rôle, constitution, importance, constitution. Mais le problème qui se pose, ou après tout, tout le monde qui besoin de faire ma gouille, mesdames. Tout le monde qui besoin de faire. Je cherche. Il y a accusé la constitution. Parce qu'il n'y a pas de respecter la loi. Il n'y a pas de respecter la loi. Il n'y a pas de respecter. Pouvoir que constitution ba yo, yo toujours a utiliser constitution comme excuse pour yo tomber dans l'inconstitutionnalité, pour yo tomber dans l'illégalité. Tellement yo mesdames, parce que nous avons pas cette culture juridique, nous pas respecter le droit, yo nan droit fondamental ou gagnant en matière qui régit la vie politique. C'est le droit constitutionnel. Et c'est ça qui fait mal, oui, les tuyaux bâtonniers. J'ai eu un ami de professeur lorsque j'étudiais à Paris, en première année de sciences juridiques, oui, à Paris, 21 Sorbonne. J'ai eu un ami de professeur qui s'appelait Jean-Claude Colliard. Il était juge au niveau du conseil constitutionnel en France. Mais c'est toujours dit, fais attention. Ce qu'il m'a appris en matière de droit constitutionnel, il dit, fais attention, là, et la voisine. Le droit constitutionnel régule la vie politique. C'est le droit constitutionnel qui régule la vie politique. C'est-à-dire il vous faut une très très bonne compréhension du droit constitutionnel. Et lui dit, faites attention, l'objet du droit constitutionnel, il y a trois éléments là-dedans. Il y a les institutions politiques, ça veut dire les régimes politiques, là, parce que c'est la constitution qui organise les institutions, les pouvoirs,
sous forme de séparation de pouvoir, sous forme de ça, équilibre des pouvoirs. Au moins, ça, c'est la Constitution. Et la Constitution, bien entendu, qui, en d'autres termes, en deuxième élément, après institution, les normes. C'est la Constitution qui est la norme supérieure, suprême de la nation. C'est-à-dire que, dans l'hierarchie des normes, qu'on a doit faire avant, si vous parlez de Kelsen, Roman, maintenant l'Autriche est Kelsen, lui-même il a établi la hiérarchie de l'homme comme un élément indispensable pour l'état de droit. C'est-à-dire, on parlait de normes, ou au départ, on parlait des constitutions, ou de parler des institutions politiques, mais pour que les institutions politiques viennent à l'existence, bien entendu, il faut que ces institutions soient régulées, ils sont régulées dans le droit. C'est-à-dire, constitution même, ces outils essentiels nous gagnent pour nous capables de consacrer institutions et institutions politiques et séparer pouvoir, organiser institutions de façon à faciliter la vie politique. De façon à faciliter la vie politique. Maintenant, problème qui pose là, mais pour faciliter la vie politique, il y a un élément majeur, un autre élément majeur en droit constitutionnel, il faut respecter. C'est ce qu'on appelle les normes. Les normes, tu vas respecter les normes, la hiérarchie des normes, c'est l'obéir. Les institutions édictent des actes. Les institutions politiques édictent des actes. Par exemple, le Parlement. Le Parlement a un rôle législatif pour légiférer. Il édicte des lois. Ok? Il vote des lois. Loyo maintenant, ou bien le président de la République, tout l'exécutif qui fait des lois aussi. Il finit sous forme de décrets, des arrêtés. Mais aussi, vous avez la justice. Lorsque la cour, yon cour de justice, les tribunaux se prononcent sur un dossier, ok, yon vient faire sa prononciation, ça arrive fait sous dossier, et avec une forme de loi. C'est-à-dire que, ou bien trois sources de loi, ou bien droit ça yon qui vient faire que, qui vient compiler, vient faire droit haïtien. Les institutions, en tant que telles politiques, non seulement c'est le droit qui les qui consacre ou qui établit le droit constitutionnel, mais aussi ils ont contribué bien sûr de l'arsenal juridique de notre pays. Parce qu'il y a voté loi, il y a venu avec des décrets, il y a venu avec des arrêtés, il y a venu avec des décisions de justice. Et à partir de ces institutions, vous avez des antécédents judiciaires qui pourraient permettre tout à partir de ces antécédents pour capable de comprendre qui orientation en matière de jurisprudence. Maintenant, à partir de là, qui se peut le passer? Si pas une hiérarchie qui vous dit maintenant, il faut que les différentes lois, que ce soit la loi, que ce soit les accords internationaux, que ce soit les décrets, que ce soit les décisions du juge, ces décisions-là, ces actes-là doivent être en conformité avec la loi mère du pays, qui est la Constitution. C'est la hiérarchie des normes. C'est une garantie de l'état de droit. La hiérarchie des normes, c'est une garantie de l'état de droit. S'il n'y a pas de hiérarchie des normes, s'il n'y a pas de respect de la hiérarchie des normes, il n'y a pas d'état de droit. Et troisième élément, depuis pas l'état de droit, automatiquement, vous pouvez tomber dans ce qu'on appelle l'arbitraire. Son régime autoritaire, tu vas l'installer. Depuis pas l'état de droit. Tout le monde compte ça. Elle veut dire les libertés et les droits fondamentaux de la population, des citoyens sont menacés. Seule garantie citoyen gagné pour liberté là avec droit fondamental protégé. Hein? Seule garantie a gagné, c'est seul l'état des droits qui a protégé. C'est seul l'état des droits. Sinon c'est l'arbitraire. Sinon c'est l'autorité, l'autoritarisme total. Sinon c'est dictature enragée. Maintenant vous pensez que maintenant si l'ensemble des pouvoirs arrivent à échapper au contrôle, qui sera tombé par une dérive? C'est mon dérive. C'est parce que nous n'avons pas saisi la dimension métaphysique et ontologique dans la question de la vie politique. Nous réduisons seulement la vie politique au droit positif. Et de pour étacher. Et le problème, oui. Et le problème, là. C'est ça que je me disais. Lorsque tu dis droit, il y a un plus gros problème. Ou pas qu'on sorti dans l'année première année, ou sorti dans le retour dans philo. Au fin passer reto philo et puis yo fouyon l'école normale à l'étudier droit. Yo fouyon l'école de droit et puis à l'étudier droit. Ou fait sorti dans philo. Ou pas même maîtriser philosophie bien non. Ou pas même maîtriser, c'est-à-dire que capacité pour appréhender des dimensions métaphysiques. Droit ou pas comprendre. Ou pas capable capacité. C'est ça fait que fondement Soit derrière toute réponse au droit, dans le droit positif, ou caca. Elle a un problème, non?
Et c'est ça que je dis, professeur Moravros. Je dis, monsieur, mais écoutez, pourquoi, pour quelle raison le droit positif pas qu'à résoudre tout problème qui gagne dans la vie sociale? Il dit, mais attention, faites attention. La voisine, il dit, faites attention, le droit positif, c'est le droit que les hommes, c'est les hommes qui viennent avec le droit positif. C'est-à-dire les institutions qui produisent le droit positif. C'est ça le droit positif. Effectivement, c'est ça le droit positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le droit? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le droit? Maintenant, il dit, mais faites attention, il dit, monsieur, tu fais attention. Sinon, si vous pensez que le droit positif, en tant que tel, c'est l'élément fondamental pour capable résoudre le problème dedans, pour réguler la vie politique ou chirer. Parce que le droit positif, n'importe quel cas, je suis sous le droit positif, j'en voulais. Il n'y a manipuler le droit positif. Et c'est ça m'explique que le comportement régime peut acheter car là. C'est ça m'explique que le comportement régime peut acheter car là. Il y a une constitution qui établit. Puisque la constitution est établie, ça n'est pas d'où, n'est pas attaquer la constitution. Il y a un vrai problème pays à cette constitution. Comprenez bien, oui. Alors, constitution, c'est base. C'est fondement société pour assurer stabilité. Ou un problème? Ou un problème? Ça veut dire que puisque la constitution est droit constitutionnel, le droit constitutionnel est droit positif, la constitution, si on assemble les constituants, qui fait constitution, et puis on mettait pas voir référendaire, et puis peuple a voté dans le référendum, il voté pour lui, et puis automatiquement, il levé au statut de loi. Ça, c'est une dimension. C'est ça qui fait son droit positif. Et maintenant, attendez bien. Le problème qui se pose, ou considérer, ou ballon valeur juridique, ou considérer comme loi mère. Et bien, si vous considérez comme loi mère, il faut capable respecter elle. C'est la loi liée. Il faut capable respecter elle. Et si vous avez un problème avec elle, ou capable abroger elle, ou retirer elle. Mais cependant, faire de la constitution comme seul outil pour capable échapper comme principal responsable de crise politique. Non, la constitution n'est pas, c'est pas lui responsable de crise politique qui vient là. Non. On doit faire attention. On doit faire attention. Ok? Ou qui doivent les décider parce qu'on parle modèle de régime nous gagne là, régime parlementaire, parce que le parlement gagne trop pouvoir de contrôle, qu'on a besoin de renforcer le pouvoir de l'exécutif, patata, ou besoin de faire un modèle. Parce qu'il y a deux modèles, pas de tout. Il y a deux modèles, on va étudier en matière de régime politique, il y a deux modèles fondamentaux qu'on étudie dans tout le pays pour étudier, pour comprendre. C'est deux modèles nous gagnent. C'est le modèle présidentialisme aux États-Unis. Ok, le modèle présidentialisme aux États-Unis avec le modèle parlementaire anglais. That's it. Le modèle parlementaire anglais avec le modèle présidentialiste aux États-Unis. Maintenant, la France dit même, l'ISE vient avec un modèle, côté que modèle ça, qui doit semi-parlementaire, semi et présidentialiste, par rapport bien entendu avec un exécutif bicéphale, ça va dépendre du rôle du président de la République, du président, le chef de l'État, pour jouer dans tête exécutif là, et comment parlement qui a quantité pouvoir parlement gain pour contrôler l'exécutif par rapport avec le gouvernement. Et c'est... Mais nous parlons de mettre des mécanismes d'équilibrage des pouvoirs. Par exemple, le président de la République gagne un pouvoir pour dissoudre le parlement, pour le voir devant le peuple à voter. De même aussi, le parlement lui-même il gagne un pouvoir de contrôle sur l'exécutif. C'est-à-dire qu'il de l'église, il parlé du gouvernement, il est capable de voter de censure, il est capable de voter de la ratification, et puis qu'on a mis en période de cohabitation, il doit avoir cohabitation contre le premier ministre lui-même, il choisit, le premier ministre lui-même, c'est majorité et le parlement qui choisit le premier ministre, qu'on a une grande situation de cohabitation. Maintenant, ça parle qu'on a seul bagage où on réfléchit au domaine de compétences qui est réservé au chef de l'État, puisque le chef de l'État lui-même est challengé, ça passe ce qu'on appelle le chef du gouvernement. Là où on a un régime bicéphale, où on a un diarchie, ça va permettre de remettre en question, bien entendu, le degré de coopération qui existait entre le chef du gouvernement et le chef de l'exécutif, et le chef de l'État. Maintenant, là, dans la situation, ça, c'est seulement le bon parlement qui a fonctionné. Mais dysfonctionnement parlement, ça a rien la journée aujourd'hui, là. Dysfonctionnement parlement, ça a remetté la journée aujourd'hui, que vous acquisez de tous les mots en dedans pays, là. C'est une tentative, bien entendu, pour être capable de résoudre le problème qui existe, crise institutionnelle, yo, mais pas qui voit, pour changer la constitution. Je ne suis, écoutez, pas moi qui ai écrit la constitution, l'esprit de la constitution, je le comprends. Parce qu'il faut comprendre que la constitution de 1987 n'a pas été écrite de façon à résoudre les problèmes de la société. C'est fondamental, c'est un problème fondamental. Là, c'est nous toujours un problème économique, social, problème ça est toujours présent dans le pays, malgré nous vivons en 1986.
Parce que la Constitution n'a jamais été une réponse à une crise sociale, économique. Non, la Constitution de 1987 a été une réponse au régime de Duvalier. C'est ça la Constitution. L'esprit dernier de la Constitution, c'est pour être doté pays de un régime démocratique comme un régime contraire avec la dictature duvalieriste. Peu importe nos soucis comme si pour yoté, résoudre problème économique, social, pays. Non, c'est pas vrai. Si vous regardez la constitution, bien la constitution, ou pas l'orientation constitution, idéologie constitution, c'est-à-dire la dimension axiomatique de constitution, ou pas que là, dans le sens, bien sûr, de les calquer, mais inscrit dans la tête, dans la vision, dans certaines visions libérales, dans certaines visions libérales de l'Occident. C'est simple. Et c'est ça l'explique que je dis que la constitution est impossible pour la constitution, résoudre les problèmes socio-économiques pays. Il n'est pas armé le peuple, l'État haïtien du tout, pour faire ça. Maintenant, mon problème, c'est bien que la constitution est capable de gagner des faiblesses en termes d'équilibrage de pouvoir. En termes d'équilibrage de pouvoir, c'est la balade du patata. Mais il faut comprendre que. Seuls outils nous gagnent actuellement là pour nous résoudre le problème dans le pays d'Haïti. En dehors, bien entendu, de les armes, c'est la Constitution. Et la Constitution, il faut entendre tout le monde a parlé de président, pour décision président, pour un lien anticonstitutionnel. Tout le monde a caché des constitutions. Mais nous, tellement, mesdames, nous n'avons pas pu instituer un juge constitutionnel pour vous garantir le respect de la Constitution. Nous tellement, mesdames, nous tellement audacieux. Depuis 1986, nous mettons dans le pays à Volgon pour que... pas bon nèg qui pense. Ou pas... Écoutez bien. Le président doit veiller au respect de la Constitution. Hein? Le président de la République. C'est sa Constitution, on dit. Quoi problème, hein? L'article 136, là, la Constitution. L'article 136, la Constitution, le président de la République. Mais un problème fondamental qui pose. Puisque c'est le chef de l'État, il doit veiller et respecter au respect de la Constitution. Quel est le décharge là? C'est l'article 136 de la Constitution. C'est la Constitution de balle droit, là. Qui bat l'attribution, ça. Il faut le veiller au respect, au droit. De la Constitution. Mais son problème fondamental lié. Son gros problème fondamental lié à la base. Son gros problème fondamental lié à la base. Maintenant, pour le président d'arriver, faire travail, ça va, président d'annette. Pour le président d'arriver, veiller au respect de la Constitution. Faut président d'annette. Et c'est ça, Doré Vigne dit dernièrement, qui pisa. Il dit le président de la République est un homme politique. Mais en tant qu'homme politique, en tant que membre de parti politique, le président n'est pas neutre. Et puisque le président n'est pas neutre en tant que homme politique, comment le président va veiller avec la constitution là? Au contraire, le président de la République va chercher toutes les petits coins qui gagnent, toutes bagages pour instrumentaliser la constitution pour comment elle est échapper pour le capable assouvir ce qu'on appelle ses objectifs politiques. Le problème, le président lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le président n'est pas seulement le président. Le président n'est pas seulement le chef de l'État. Le président, c'est pas seulement lié. Ça, c'est sa constitution reconnaître. C'est la fonction présidentielle. Ça, c'est la constitution. Mais le président, comme l'a dit le conseiller président, du président Moïse Doré, il dit le président, Jovenel Moïse est aussi un homme politique. Mais c'est vrai. Maintenant, si Jovenel Moïse est un homme politique, c'est-à-dire que le président ne peut pas être impartial. Il ne peut pas être neutre. C'est un non-sens. En tant qu'homme politique, c'est-à-dire il a sa vision, il lui appartient. Il y a une famille politique qui l'appartient là-dedans, qui est PHTK. En tant qu'homme politique, il fait partie de famille politique. Et puisque famille politique a une certaine vision, et en tant qu'homme politique, famille ça a une politique là, t'as rien aimé qu'un pouvoir. C'est lui qui permet d'arriver au timon des affaires de l'État. C'est lui qui met là, c'est lui qui fait le chita là en tant que président de la République. C'est lui qui met qui fait la diriger la journée aujourd'hui. C'est-à-dire que lui a un devoir pour le capable de pérenniser parti ça au pouvoir en tant qu'homme politique. Et pour lui faire ça, il est obligé de créer des crises. Et là, le problème, il est obligé de créer des crises
Alors que même constitution reconnaît au chef de l'État, au président de la République pour veiller au respect de la constitution, monsieur Pito écarté de article ça pour quitter l'institution tomber dans crise pour pas veiller avec et puis l'elle créer crise ouais j'en ai gagné l'elle fin créer crise et puis qu'on y a doit utiliser faiblesse institution yo il doit utiliser crise ça encore créer comme alibi pour justifier violation constitution et là bas la belle là pour justifier. Maintenant mes chers amis, crise sa nature, crise sa li même. Crise politique. Instabilité politique, institutionnelle. Problème. Et puis j'entends des peuples pas qu'à manger, pas gen l'hôpital, pas gen route. Et puis au niveau de l'État, moun ap bamoche, moun ap gaspiller l'argent de l'État. Et puis peuple nous dit, et c'est ça moun ne pas comprendre. Et c'est ça peuple pas comprendre. Ça veut dire demain ou gen crise politique, demain peuple ap nan kaka. Et demain nèg a fait l'argent. Et des monnaies qui n'ont pouvoir rouler, et des monnaies qui n'ont pouvoir bouler l'argent, et des monnaies partis politiques qui n'ont tête l'État à rouler bien rouler. Parce que c'est une période de crise n'est riche. Et une période de crise politique n'est fait magouille. C'est une période de crise politique n'est fait l'argent. C'est la réalité, oui, en Haïti, mes chers amis. C'est la réalité. On n'a pas besoin de quoi. On va écraser quoi pour ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont capables d'alimenter une crise. Vous comprenez? Il doit y avoir des considérations idéologiques, linguistiques, ethniques, religieuses. Vous comprenez? Et même le point international. L'international parfois joue un rôle prépondérant dans la question de crise dans le pays. Par exemple, pour l'ambassade américaine qui m'a enragé là pour question élection, il finit enragé, il a fait menace, il a fait ceci, il a fait ça. Et je reste ça, l'ambassade américaine a fait. Pourquoi ça a pesé sur la vie politique pays là, aujourd'hui, dans la question élection. Quand il y a l'heure de faire élection, il tomber dans l'autre crise, par des contestations, crise politique, par gagner encore. Et puis, Zimpété, l'obéit. Avait dit, peuple, ça va jamais sortir dans la situation hier là. C'est ça que je dis, la situation de là. C'est ça que je dis toujours, mon bébé, je suis fais attention. Je ne occupe pas mon cabine faire adotage. Je ne occupe pas mon cabine adoter là en bas. Faites un. Vous comprenez? Parce que la politique, là, quelque sorte, la vie politique, c'est un objectif qui gagne. Tout le bataille pour entrer dans le conflit politique. Tout conflit politique qui gagne, c'est par rapport avec nek qui est au pouvoir qui besoin de dominer. Vous comprenez? Avec dominer, imposer vision politique et idéologique dans la société haïtienne. Et puis, il y a des résistances par rapport avec des antagonistes, des hommes politiques, d'autres partis politiques qui campent en face, qui disent non, le pays n'a pas pris direction ça. Et ça. Et le problème, non? Vous comprenez? Et là, tout problème, non? Et je dis nous sincèrement, pas de politique. Pas de conflit politique ni crise politique qui pas accompagné de violence. Pour qui raison? Mal dis-nous ça. Les dominants lui-même lui au pouvoir. Par exemple, dans le contexte actuel, nous ne pas considérer, bien entendu, Jovenel comme dominant, parce que c'est le dossier des affaires de l'État. Nous ne pas considérer PHTK comme dominant, parce que c'est le contrôle appareil de l'État, c'est le cap exercer ce qu'on appelle le pouvoir. Puisque c'est le cap exercer le pouvoir, c'est eux qui dominent. Maintenant, les dominés, c'est tout le monde qui est dans la société. C'est le peuple, c'est la jeunesse, ce sont les partis politiques, les opposants. C'est nous qui dominons. Parce que nous sommes dominés par les dominants qui sont au timon des affaires de l'État, qui ont dirigé le pays, qui ont dominé, qui ont contrôlé l'appareil politique, là, le pouvoir politique. Maintenant, le problème qui se pose, les contre-pouvoirs. Pour ne pas la dominer, il faut avoir des contre-pouvoirs. Pour pas subir oppression, il faut avoir des contre-pouvoirs. Si pour pas être victime de violence, il faut avoir des contre-pouvoirs. C'est-à-dire pour pouvoir ça qui et régime ça qui au pouvoir là pas abuser pouvoir, faut avoir des résistances par rapport avec d'autres contre-pouvoirs qui pour contrecarrer velléité les désirs pour l'imposer, pour instaurer une dictature dans le pays. Ça même sans contre-pouvoir, on n'est pas en démocratie. Sans contre-pouvoir, on n'est pas en état de droit. Sans contre-pouvoir, on est en plein dictature. Ça, c'est un bagage qui clame. Pas besoin de faire grandir études. Pas besoin d'aller étudier sens politique. La base, là, elle te dit, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Sinon, le pouvoir est appelé à s'abuser.
car tout pouvoir corrompt, non bagay de base dit, c'est l'esprit, c'est là, c'est allié, ouais, 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 il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est ce qu'on appelle pas des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs institutionnels. Par exemple, le Parlement, c'est un contre-pouvoir par rapport à l'exécutif. Parce que là, l'exécutif a toujours cette velléité à pouvoir imposer une forme de dictature ou une forme de régime arbitraire. Maintenant, le contre-pouvoir, c'est le Parlement. Le Parlement perd du rôle contre-pouvoir. Lui. Maintenant, qui c'est l'aspect, nous gagnons une troisième branche, qui c'est la juridiction. C'est-à-dire la Cour de cassation, qui se coupe supérieure des côtés du contentieux, c'est la justice. C'est ça le point de jouer contre le pouvoir. Mais pour jouer contre le pouvoir, il faut qu'il y ait l'indépendance judiciaire. Il faut qu'il y ait l'indépendance de la justice. Il faut que la justice soit capable de juger de ce qu'on appelle un privilège pour protéger le droit, pour être capable d'exister. À ce niveau-là, il faut que le droit soit respecté. Et de cette façon, ça, oui, ou pas entrer dans l'état de droit. Puisque les mécanismes de résolution de conflit, tel que le Parlement, en période démocratique, li pas bon pas débat parlementaire pas ceci pas le parlement est caduc le parlement est désert pas débat c'est-à-dire les mécanismes de résolution les mécanismes démocratiques de résolution de conflit débat dialogue échange ceci cela yo pas faire dans le parlement pas parlement c'est un problème qui ça c'est l'exécutif lui-même lui comme peut-être lui à travers le président de la république avec un ministre de facto un premier ministre de facto lui mettait un gouvernement de facto la prend des décrets la prend des arrêtés genre là dans le pays. Maintenant, qui est celle qui deuxième, qui l'autre contre-pouvoir nous gagne? L'autre contre-pouvoir nous gagne, c'est ça, le pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire. Et l'organe suprême qui charge le pouvoir judiciaire, c'est ça, le la Cour de cassation. La Cour de cassation, je ne l'en dis mais la Cour de cassation a subi menace. Ça veut dire, si la membre de la Cour de cassation a subi menace, ou pas, qui ça nous prend là? Allez dit, n'est-ce que te débarrasser des parlements, ils ont échappé à contrôle, à contre-pouvoir parlementaire. Qu'on y a là, seul contre-pouvoir qui gagne actuellement là, qui peut camper en face parlement, en face exécutif là, pour capable analyser, étudier l'égalité, et l'égalité acte, décision que la justice, que l'exécutif là, pour président de la République là prend, c'est la Cour de cassation avec sa relais et Cour de supérieure des comptes du contentieux administratif. Regardez l'agitation du président de la République. Par rapport à la Cour de cassation, par rapport à la Cour, cour supérieure des comptes du contentieux administratif. C'est-à-dire, la justice en tant que telle, qui est la quatrième, qui est troisième pouvoir là, dans la séparation des pouvoirs là, qu'on y a menacé par l'exécutif. C'est-à-dire, l'exécutif a démontré velléité pour prendre contrôle tout pouvoir honnête. Il crase le Parlement. Il vient craser le Parlement, il échappe à contrôle le Parlement. Qu'on y a la bataille la justice. La bataille notre système judiciaire. Qui coiffait, bien entendu, par la Cour de cassation. Maintenant, coup de cassation, des membres de coup de cassation a subi et menace. Des boutons de menace, coup de cassation, c'est notre système judiciaire qui est menacé. Par voie de conséquence, le président de la République et l'exécutif, d'une façon de facto, que j'en a fonctionné, ils ont velléité pour ces salariés qui ont commandé, ils n'ont pas besoin de monde qui a sous route, ils ont craché. C'est ça le président de dire. Il dit n'importe monde qui a sous route, il a passé sous lui. Machine n'a passé sous lui. Faut comprendre bien, oui, les nègres parlent Abdou au train électoral, les nègres parlent au lit du coup, ça la passe machine dans sous l'accident. Et normal! N'importe qui campe face avec projet, président de la République, ça, avec régime PHTK, ça, pour restaurer et dictature, ou besoin, la passe sous vous. C'est ça que les nègres vont faire élection, oui. Et pas faire élection. Ils connaissent pour faire élection. Il va faire élection. L'Elvin va faire élection. Il connaît bien les gens qui arrivent à caducité. Et le Parlement va arriver à caducité. Il mourit quand le président mourit quand il mourit quand il est prêt pour lui, il est prêt pour lui, il est prêt pour lui, il est prêt pour lui. Et puis il va jamais faire élection. Et puis il quitte le Parlement. Il quitte le Parlement, arrivé à caducité. Parce qu'il connaît quand le Parlement va arriver à caducité. Et puis il dit ce qu'on s'est Parlement. Il veut dire le plus bon pour lui échapper à contrôle Parlement. Parce que lorsqu'il veut échapper à contrôle Parlement, quand le Parlement arrive à caducité, ça veut dire pas une possibilité pour traîner, pour le destituer le tout. Et ça, il se fait là. C'est pas qu'il y a une dame net qu'a fait. C'est pas qu'il y a une dame qu'a fait. C'est dans le cerveau, c'est dans l'intelligence qu'a pensé pour le système, qu'a pensé pour les gens. Mais je connais bien. T'aimes nous bien. Les conseillers du président connaissent bien que vous êtes supposé faire respecter, vous êtes supposé respecter le calendrier électoral. Là. Pour faire élection à temps, pour te renouveler personnel politique dans le législatif. Là. Ça va faire, vous mourrez quand vous proposez la crise qui gagne. Mais vous êtes intelligent, lui. Nèg PHTK ça, oui, intelligent mort. Déboutant objectif là, c'est pour échapper à deux bagailles. Raison qui fait le président de la République,
L'exécutif en général avec le régime Bachelet qui a quitté le Parlement, rivé là sans pas faire élection pour renouveler. C'est parce que vous connaissez que le Parlement, ça, depuis pas de Parlement, il est bon pour vous. Non seulement président, pas de coup de justice qui a jugé président, elle viole la Constitution. Parce que c'est celle, d'après la Constitution, c'est celle Sénat qui a érigé tête li. C'est celle Sénat qui a érigé tête li. Qui a érigé tête li en haut de coup de justice qui pour destituer le président s'il a violé la Constitution. Deuxième bagarre, il a échappé à contrôle. Elle a dit contrôle parlementaire, capable de faire commission, capable de faire pousser ceci là. Il a échappé à contrôle. Troisième bagarre, il a échappé à contrôle, ça aurait le contrôle budgétaire. Avec le président qui a voté budget, qui a reconduit budget, j'ai enlevé, fait aller avec l'argent d'État. Et gros gosset là. Et gros mec, et bagaille mettre dame net qui a réglé là. Bagaille mettre dame net qui a réglé là, il va dire ça. Bagaille, faut ouvrir. Son agent d'un égoïe, il y a plus, oui. Qu'on y a pisque, qu'on y a au fin maîtrisé par les mains, on met des barres en chita. Et puis, je vais mettre d'abord pour propose que oui, il y a besoin de faire élection. Il y a caca blanc, il y a caca nous, il y a besoin de faire élection qu'on y a, oui, nous mettez conseil électoral provisoire. T'en mesdames. Il y a mettez conseil électoral provisoire, c'est si c'est là, il y a échappé avec constitution. Ou quand vous créez, il y a échappé à constitution. Imaginez un instant, si t'es un parlement là. Si t'es un parlement là, qu'on y a président, t'as permis de monter au conseil électoral provisoire là. Ou quand t'as passé parlement? Parlement automatiquement t'as saisi parlement et chambre des députés t'as saisi et parler et sénat parce que le président a violé constitution. Parce que constitution dit mais comment pour conseil électoral provisoire monter mais comment pour conseil permanent monter. Ouais ça ouais. Yo intelligent yo connaît yo jappé. Connait qui s'est passé. Connait une opposition dit conseil électoral provisoire doit prêter serment. Devant coup de cassation. D'après sa constitution dit, mais la constitution dit c'est le conseil permanent. N'est-ce pas faire ça au relais, il y a une sorte de. Non, il n'y a pas l'entrée dans une bataille sémantique. Et même capable de dire, oh, bataille des mots. Et là, oh oui, c'est pas conseil provisoire, c'est le conseil permanent que la constitution dit. Oh! Mais problème, non? Oh! Décret électoral 2015, non? Qui en vigueur jusqu'à maintenant, m'a parlé avant là. Dans l'article 241 constitution de décret ça, il dit comme ça que conseil électoral provisoire là, il doit faire même bagaille que conseil électoral permanent que constitution établie. Elle a dit yo nommé ou nomination prestation de serment, d'ailleurs, nomination et prestation de serment, installation, entrée en fonction. Et de quatre façons. C'est ça la procédure. La procédure, c'est ça. La nomination, la prestation de serment, hein? Qui vous donne une certaine légitimité. Parce que, yon kanomo, c'est. Président, son homme politique lié l'inomo. Président kanomo pour des intérêts. Président kanomo parce que c'est bagaille de parti qui a réglé. Mais il faut que vous allez prêter serment pour respecter, pour jurer que vous allez respecter la constitution pays devant une juridiction qui c'est la Cour de cassation. C'est ça, oui. Pour qui raison vous avez ça? L'important, avant que vous installez ou supposez faire ça, parce qu'il faut pas garantir que vous allez respecter la constitution, ou pas voler l'argent de l'État, ou pas le faire. C'est ça, oui, c'est ça que vous avez passé par là. Oui. Maintenant, si on va passer par là, pour travailler sa fête, pour étape sa boule, qu'on a sauté étape là, ou al devant président. Quand on a fait bagaille, on a parlé. Après, attendez, on a parlé national. Après, le palais national vient tourner centre décisionnel, c'est celle palais national qui parle. Depuis palais national parle, that's it. Et bien, ça, on a le dictature, oui, messieurs, dames. Pas qui contre pouvoir, c'est ça le dictature, oui. C'est ça que les dictatures, moi, je fais une analyse, écoutez, en Haïti, qui a bluffé nous. C'est ça que les dictatures. Vous voyez? Ce n'est pas une question de radotation, c'est une question de respecter les droits. Il faut respecter les règles du jeu.
Il faut respecter les normes. Si vous avez une loi, il faut respecter, il faut obéir. Il faut quitter mettre d'amoudé et la problème. Quand vous avez là, vous avez besoin de faire une élection avec le conseil électoral. Vous avez fait tout le deuxième élément qui pide d'une bagarre, c'est que le président de la République a conseil électoral provisoire en mission pour faire référendum. Tandis pour on mission que constitution pas mis ses droits pour le faire. Ouais kaka. Ouais l'obéi. Ouais l'obéi. Li bay constitution. Le président de la République non seulement nommé conseil électoral provisoire sans prestation de serment, li installé et puis il rentre en fonction. Et puis, il y a une autre mission. Il y a une mission pour faire référendum sur la constitution. En nouveau, il y a doté pays de une nouvelle constitution. Ouais, 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 ça te dit. L'exécutif pour qu'on décide. L'exécutif pour qu'on décide pour changer pays de constitution. Ouais, l'obéi. Ou un agenda politique n'est rien. Pour justifier ça, ou comme ça conseiller politique président dit, de Guichard, de Liberis. Yo dit oh c'est crise constitution ça pas bon c'est crise pour changer constitution on dans un pays sans accord politique en période de crise ou pour changer constitution sans accord politique et sans que les acteurs de la vie nationale pas concernés sans que les trois branches du pouvoir et sans que les trois branches du pouvoir pas concernés et bref sans que les acteurs de la vie nationale du pays, société civile, pas concernés, et pas de consensus, pas de dialogue, et pour juste les bons matins, on va faire élection, et pour nous seulement faire élection, après ça, on va faire référendum devant le peuple haïtien. Et puis Guichard aurait dit, oh oui, non, nous pas besoin de consulter les acteurs de la vie nationale. Tenez bien, nous pas besoin de consulter les acteurs, les groupes d'intérêt. Tendez, mais n'oubliez pas les partis politiques, les groupes d'intérêt, les associations, ce sont ceux-là qui structurent la vie politique et la vie nationale du pays. Comment on va faire? Pourtant, moi, qui ça? Conseil électoral, là, pour le faire, référendum, c'est devant le peuple, c'est devant le citoyen, c'est l'élément singulier, c'est devant le citoyen, le seul citoyen qui a. Mais attends. C'est vrai, ça, c'est dans la période, là, pour le faire référendum devant le citoyen. Mais le citoyen, pour comprendre Doual, pour l'exercer Doual normalement, le citoyen, il doit faire partie d'un ensemble de structures telles que partis politiques, associations, pour permettre de comprendre Doual, pour éduquer, pour former lui. Après, il y a des magos, je vais me faire là, un boulot foyer. Lors dit le citoyen, pour qu'il soit pas dit devant un homme. Hein? Pour qu'il soit pas dit devant un homme ou dit devant un citoyen. Pour qu'il soit pas dit devant un homme. Si on dit devant un citoyen, un citoyen, son bagage qui gagne droit, oui. Qui a des droits politiques, c'est un homme qui jouit de cette un homme ou une femme qui jouit de ses droits politiques et civils. Maintenant, il faut qu'on informe les citoyens de ses droits politiques et civils. Il faut instruire, il faut voir, mais lui, c'est le rôle, lui, là, des associations, c'est le rôle parti politique, oui, pour former citoyens, pour le cas un bon citoyen, pour le compte droit, pour le compte des voiles en dedans société. Sans ces contre-pouvoirs, sans ces outils qui pour permettre à un citoyen pour le compte droit et de voile. Nous connaissons son citoyen égal ou quelqu'un. Qu'on n'a pas de constitution, ou pas le voter devant citoyen, pour citoyen à le voter. Ou pas de constitution pour le voter devant citoyen, pour citoyen à le voter, alors qu'on est 90% peuple là-bas qu'on lit. Et pour qu'on n'a pas le dire, nous avons dit, ou pas chita avec les acteurs politiques pour discuter dossier ça ou juste retour ba on conseil mais qui cause là qui parle bon là qui cause moun prend là là qui ça moun prend dans le pays d'Haïti là et là qui ça moun prend dans le pays d'Haïti moi je pas comprendre non là qui ça nous prend là dans le pays d'Haïti quand on va entendre les situation de à la base qui t'a posé problème. Qu'on a les gars d'où comme ça? Conseil électoral provisoire là pour résoudre le problème. Vous n'avez pas de conseil électoral là, électoral provisoire là pour résoudre le problème. Bon, conseil électoral provisoire à la base, il y a une source de problèmes. À la base, oui, il y a une source de problèmes. Pour le conseil électoral là, peut-être pas les problématiques. Les problématiques. Il y a dit, déjà, il y a perdu confiance dans le conseil électoral là.
Son conseil électoral qui conteste. Quand on va faire élection, qui sont pas là? Ou réduit démocratie avec élection? Ou réduit démocratie avec élection? Après dit, conseil électoral là va faire élection, j'en l'ai. Elle va brasser, il va faire brasser bouilli, vider, et puis j'entends et puis il va bravo, il va résultat, il va bravo bloup, et puis qu'on y a Michel Martelly président. Et puis tout le monde fait même bouche nous. Qu'on y a, et qu'on y a pas une crise encore. Les pas une crise encore, les Michel Martelly président. On scénario m'a ban nous là. Demba nous scénario bien, peut-être nous pas comprendre. Mais nous quand j'ai période de crise, c'est ça fait yo mettre conseil électoral provisoire pour conseil pour changer constitution bullshit là. C'est ça yo ba comme argument. Tu avances comme argument, attendez, ils utilisent les questions crise institutionnelle, crise politique là, pour justifier la décision que l'État président prend. Pas de problème. Pas de problème avec ça. Ok. On dit que l'opposition politique là dit qu'il va parler dans l'élection à Jovenel. Attendez. Je dis qu'il va parler dans l'élection à Jovenel. On y a là. Et le conseil électoral provisoire qui monte. On y a la fin qui va le faire. Intelligent que. Tandem bien. Intelligent que nek PHTK ou fait. Ou kon sa ou nek PHTK ou fait. Yo split PHTK. Ça me le dit pas là. Grand pile gros auto bre ande dans PHTK, yo bay l'argent pour al former des partis politiques. A remarqué. Oui, l'on Joseph qui te formé parti politique parle. Parce que les oppositions disent qu'ils ne peuvent pas parler dans l'élection. Comprenez, je vais là bien. Faut comprendre, je vais là bien qu'a fait là. Puisque les oppositions disent qu'ils ne peuvent pas parler dans l'élection avec Jovenel Moïse, ou qu'on s'en est PHTK au fait. Les PHTK, rangez quoi, yo? Yo met tout masse l'argent en PHTK pour que chaque gros nègre dans PHTK a formé un parti politique. Et ça fait nous, parti politique, comment ça pousse dans le coup de John Lai? Yo tellement by parti politique, oui, l'on Joseph qui est formé parti politique. Rete là, avant tout de l'élection, ou alors de PHTK à plat. Mais par exemple, par quatre autres partis qui ont sorti en dedans PHTK pour légitimer l'élection CEP, ça là. Nous parlons de merveille. Nous parlons un petit groupe jeune qui est un groupe non, mais il y a un forme, il y a un parti politique pour participer. Pour qui raison? Parce que l'opposition. En pile nèg opposition qui t'en dit yo pa parle dans élection, ça veut dire pas de parti politique qui parle dans élection avec conseil électoral provisoire ça avec président république ça là ça nèg yo a fait nèg intelligent qui yo y a créé l'autre parti politique de quoi pour yo ka montre qu'il y a plusieurs partis politiques qui parle dans élection avec yo mais faut intelligent pour comprendre jette là donc go jette qui là qu'on y a américain pour le content tout monde pour le content yo pas dire oui gain 6 7 Gen n'importe 15 partis politiques, 30 partis politiques qui participent. Depuis tant, et ma parti politique qui participe, c'est même net PHTK qui entre yo qui chire pit, qui entre yo qui forme plusieurs autres partis politiques, mais c'est toujours même parti politique PHTK. C'est un coup de bluff lié. Un coup de bluff, oui. De quoi pour yo kal dans l'élection, pour yo participer. Quand y a l'opposition qui dit le papa dans l'élection, l'opposition qui dit le papa dans l'élection, l'élection a fait quand même. À qui est-ce fait? La fête avec PHTK. Mais PHTK ne peut pas être comme PHTK. PHTK paraît tant qu'on ne peut pas être un petit parti politique. On ne peut pas être un petit parti politique qui sortit en dedans PHTK. Donc, un coup de 4 qui fait là. Un gros coup de 4. Un gros coup de 4 qui fait là. Gros coup de 4. Puisque l'opposition dit qu'on ne peut pas aller dans l'élection avec PHTK. PHTK bay chak nèg dan dedan, on sait de gros nèg, li bay nèg nan nord kòb, al fò mon parti politique nan nord, nèg plateau central kòb, al fò mon parti politique central, plateau central nèg nan sud kòb. Mais tout nèg sa yo la bay kòb la an dedan PHTK, mon PHTK yo oui. Mais yo propose, yo pa mon PHTK yo forme parti politique pa yo. Lè yo forme parti politique pa yo, ou même nou ap comprendre. Wa comprendre si on l'autre parti politique tout neuf qui monte menti. C'est même PHTK qui range l'école en miette. De quoi pour le cas bluffer, moun pour le cas dire, oh, il y a 50 partis politiques qui participent dans l'élection. Il y a 50 partis politiques qui participent dans l'élection. Et puis, qu'on y a, ça va pas le passer. Élection va le faire. Qui t'opposition participe, qui t'opposition pas participe, il y a 50 partis politiques. Avait dit et parti PHTK divisé tête en plusieurs partis politiques et puis là dans l'élection
PHTK a allé l'élection avec propre tête pâle. PHTK a allé l'élection avec propre tête pâle. On pas qu'un petit pépinier, petit pépinier, petit pépinier, petit pépinier, il vient avec eux. Et puis, il vient, il chire, il rentre, il va un petit cobla, et puis, il s'entend dire là, même eux, même non, ils ont rangé quand ils allaient l'élection législative, et puis, ils prennent contrôle, ils prennent contrôle Sénat, ils prennent contrôle député, ils prennent contrôle Sénat, ils prennent contrôle chambre des députés. Même peuple plan retourner encore. Quand il y a opposition, on va continuer à faire crise, on va continuer à revendiquer, contester résultats, dire ces bagailles, voir l'autre fête, et puis, on va payer à tomber dans la crise pire, et puis PHTK arrêter sous pouvoir. Et game dans ça. Et game dans ça qui a préparé là. Et voilà, c'est ça que je vais me dire, oh, oh, là, c'est pour que je me dis, ah bon, nous allons comprendre game qui a joué là. Rete là, nous allons le dire. Si on peut vider l'élection entre PHTK et le fête là, et puis pour justifier là, et puis vous avez organisé en différentes parties entre vous, ou vous avez une jeunesse qui a formé parti politique. Jeunesse là qui a formé parti politique, parle. Menti, oui, qui jeunesse? On dit comme, on a le groupe qui est dans PHTK, vous avez un petit cop pour former un parti la jeunesse. Pour qui raison elle forme parti par jeunesse? Parce qu'il y a autant de grands groupes jeunes dans PHT, dans bravo pour la jeunesse, il y a autant de petits messieurs, nous pas dormir, nous pas ceci, nous pas cela, yo dit yo pas dans politique, yo dit yo pas parler avec Jovenel Moïse, yo même yo cherche un petit groupe nèg, un petit groupe jeune garçon, jeune femme qui gagne l'argent, yo pas un petit cob, et puis yo fait elle forme un parti politique pour venir légitimer, pour venir bailler légitimation avec ça, avec et conseil électoral provisoire ça dans l'élection. Gros bail mafia net, pas fait là. Mais il faut qu'il y ait intelligence pour comprendre. Après, toujours prendre un monsieur, un bébé, j'y s'en ai, toujours à montrer, ouvert, j'ai ouvert, comprendre le game. Après, moi, mais après, on a un bébé. Est-ce que le bébé, j'y s'en ai, pourtant, des gros analyseurs. Après, Raï, nous avons un problème. Raï, on a souvent le temps de nex sort, caprado, qui dans Vigo. À l'un des autres, nex caprado, qui va même qu'on a dit, ah, fais bon analyse. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Élection faite. Il n'y a pas de élection. Il n'y a pas de bouillie vide. André, PHTK, yon métamorphose tête yon plusieurs partis politiques, et puis yon organise l'élection. Et puis yon prend contrôle parlement, comme c'est parlement rive vite gonya, yon prend contrôle, yon reprend contrôle parlement. Quand yon finit reprend contrôle parlement, bagay gang net, oui. Bagay gang net, oui. Même conseil électoral ça là, quand yon fait élection parlement, et puis li remplit parlement avec parti politique, avec PHTK. Avec dit on seul parti à qui au pouvoir pas PHTK par opposition nèg opposition parti opposition qui t'en fait accord dit yo pas parler dans élection ouais kaka à Jovenel MTV dit pas la donne Yuri la torti a dit pas la donne secteur démocratique dit pas la donne Lavalas dit yo pas parler et petit de Saline dit yo pas parler bon qu'on y a nèg dit un bullshit n'a formé parti politique n'a pas nouvelle parti politique pour aller André yo gang PHTK dit n'a formé à faire nous entrer nous n'aller. Et puis André, il est allé là, et puis il a tout pour pouvoir là, et puis il n'a pas le parlement, il n'a pas le contrôle parlement. On est là, il n'a pas le contrôle parlement, qui s'est pas le passé d'après moi. On n'a pas le président, pas le élection présidentielle. Mais non, ben là, il n'a pas le élection présidentielle. On y a élection présidentielle. Il n'a pas le nous même là, ben là. Et puis on y a entendu à la Makeli pour le président. Ah, mais Makeli pour le président. Comment est-ce que le président? Parlement, il n'y a pas de contrôle parlement. PHTK n'a pas de contrôle parlement. PHTK n'a pas de contrôle exécutif. Et puis, automatiquement, quand il y a le bat pour prendre contrôle coup supérieur des contentieux administratifs, ça veut dire tout le monde qui a pris en posement de l'argent et justice pour l'argent et Petro-Caribé au caca. L'argent Petro-Caribé, justice, l'argent Petro-Caribé au caca. Ou pas, je ne sais pas du tout. Mais il y a été sous pouvoir net. Il y a foutu pour pouvoir net. Et puis qu'on y a crise encore, qu'on y a le bal retourner dans crise pire, manifestation, opposition, pays lock, zimpété, même l'obé, même des blousailles là, pas continuer fait. Qu'on y a le genou l'André Michel, ou le genou il a torti, hein? Ou le genou il a torti, ou le genou André Michel, ou le genou comment il est l'ordre de mort, ou le genou Reginald Bob, ou le genou Dimitri. Tout pour le retourner dans même bullshit là encore. Après, dit, même bagay nous ta vivre sous Jovenel là, nous allons revivre sous Mateli encore. Même l'obé là. Même l'obé opposition, pays bloqué, crise. Quand il y a eu peuple là, même l'obé là. Opposition, et puis régime PHTK retourne au pouvoir encore. Il métamorphose l'école et puis il reprend pouvoir encore.
Mais je t'ai mais game nan, son gros game qui là. Mais voilà non, ça fait nèg. Dina ka vinn nimo là. Oh oui. Oh oui, al prend al jeune nèg opposition. On dit nèg opposition pas bataille. Nous pas m'baraka jeune nèg opposition. Nèg opposition pas bataille, mon grand mal jeune là. Nèg opposition sous bluff yo. Nèg opposition, on ça pas dit nous là, opposition nèg opposition pas connait. Même des blancs, ça n'a pas tourné. Pas de crise, parce que après chaque élection, pas de crise. Pas de crise là. Pas de crise sous crise, crise sous crise, pays bloqué. Après ça, pas de blancs, pas de vin entrer. Blancs, pas de vin, dit mon cher, nous devons dialogue, mais caca. Pas de dialogue, blancs, pas de tourner, pas de vin, divin, faire dialogue. Blancs, pas de vin, divin, chita, entre nous, parler, même caca. Même blanc, il y a qu'à pousser pour faire élection, Joel Boké. Même ambassade américain on donne des poussé pour faire élection Jolbo qui à la bazaille. Les balgues crise qui va venir avec nouveau régime, même régime PHTK encore, même blanc ça va venir d'où. Oh oui, nous devons chita OEA, ou agent OEA précédé pour faire élection, ou agent Washington, mais département d'État pressé pour faire élection, et puis lui connaît bien élection pour déboucher sur crise. Lui connaît bien élection pour déboucher sur crise. Lui connaît bien ça. Élection pour déboucher sur crise. Pas de crise, pas de manifestation, pas de pays lock, pas de contestation, pas de tout blanc qui parle ou guess what? Même blanc ça, quand le régime PHTK fin pour pouvoir encore, hein? Même blanc ça, quand le régime PHTK fin pour pouvoir, et même blanc ça pour lui dire, OEA pour lui proposer pour jouer le dialogue, qu'on n'y a pas, qu'on n'y a pas de pression, ambassade américaine pas de pression, qu'on n'y a pas de pouvoir avec PHTK, qu'on n'y a pas de faire, il va dire dialogue. Ouais, nous inviter tout acteur politique, li pa soti note. Nous inviter tout acteur politique yo à dialoguer au dialogue parce que pouvoir gen tan pran. Yo gen tan pran pouvoir. Yo gen tan pran pouvoir. Konn yo pral bat pou yo adouci ton pral adouci konn yo pral e menace k'ap fèt. Intérêt yo menace, c'est menace k'ap fèt. Sou pa fout al nan élection, m'ap fout ceci a gen conséquences. Sou pa fout mè al nan élection, n'importe nèg ki ta kanpe face à élection, n'ap fout pété, n'ap fout ceci, n'ap fout cela, n'ap fout aller. Konn yo grip yo soti parce que pouvoir menacé. Maintenant, quand vous finissez de faire magouille élection et puis vous prenez pouvoir encore, quand vous parlez de ton, vous parlez de changer, ton, vous parlez de baisser. Bon, écoutez, nous croyons dans le dialogue, nous croyons dans le consensus, nous croyons dans le compromis, nous croyons faut avoir un bel dialogue et puis vous avez le chita pour venir. Parce que c'est comme ça, vous parlez de l'argent pour un dialogue de quoi, pour apaiser l'opposition, pour apaiser le peuple là, pour montrer à fond caca sérieux pendant ce temps. Vous même, encore qui contribue à la crise là. Elle fait tout tweet, nous, ambassade américaine, prend, mettez dehors, kembe yo. Depuis ce tweet, ambassade américaine, mettez dehors, kembe yo. Parce que je ne le dis à nous, yo, kapay pression pour faire élection. Comme si c'est élection pour résoudre le problème. Nan. Yo, besoin de faire élection sans accord politique. Sans que pas un accord politique, yo, besoin de faire élection. Y a poussé agenda. Y a poussé. Konya, kon, élection vin fait pour aller crise encore dans le pays. Ya. Même ambassade américaine, ça va changer tout. Il va changer tout. On a pas sorti l'autre tweet. Qu'on a tweet libre sorti, c'est tweet de dialogue. Pas gain menace encore qui va faire. Oh, nous encourageons tout le monde vient faire dialogue. Nous encourageons tout le monde vient chita sous table négociation. Nous encourageons et comportement ça va gain qu'on a depuis on fin prend pouvoir. Depuis on fin prend pouvoir, on fin faire sélection, on t'a pas le faire là, qu'on y a dialogue, qu'on y a et là où est importance dialogue, c'est là où est importance, c'est là où est importance consensus, c'est là où est importance acteur et accord politique, mais qu'on y a là, bon marché pressé pour prendre pouvoir là. Yo pas importance dialogue, yo pas importance accord politique, yo pas importance ceci là, c'est pousser porter bouer dans élection, porter bouer comme si c'est élection pour résoudre problème pays là. Porter bouer. Mais maintenant qui caca nous voilà. Ça veut dire pays ça, nous faites commencer notre crise, nous faites commencer par dans des manifestations, nous faites commencer par le pays par bloquer, nous faites commencer ouais crise sous crise, nous faites commencer par les blancs qui va dire nous et dicter nous comment nous devons comporter, nous faites commencer par dans des OE à faire Joel Boké, nous faites commencer ambassade américaine pour parler caca dans oreilles nous faites commencer par dans des nèg pour faire tissu sous Washington, nous faites commencer par dans des nèg pour dans radio parler caca, faites commencer ouais l'obéi. Depuis jodi a la pa gen accord politique. Pour le jouin, depuis pa gen accord politique. Entre l'opposition et le régime en place, pour yon capable de non consensus, pour faciliter
transition ça rentre dans le pays, pas qu'à faire. Marquez ça, me dit nous, là, je dis. Pas qu'à faire. Ouais. Ambassade américaine tellement intelligent. Li pa jamais mande fè pression. Tande, li pa jamais fè pression. Sou Jovenel Moïse pou mete conseil constitutionnel sou pied. Ou konn pou ki raison? Ou konn pou ki raison pa vle mete, li pa pran courage, li pa jamais fè pression sou Jovenel Moïse pou mete un conseil constitutionnel sou pied. Parce que du moment qu'on mette un conseil constitutionnel sous pied, la difficile pour une crise politique. Mais le problème, malgré qu'on si, ou pas jamais entendre l'ambassade américaine faire pression sur Jovenel Moïse pour mettre un conseil constitutionnel sous pied. Tout pays a été parlement là. T'es un parlement. T'es gagné exécutif. Gen exécutif, te gen judiciaire. En vérité, Dieu, l'ambassade américaine n'a jamais fait pression pour ne mettre conseil constitutionnel sous pied. Ou kon pou ki raison? Ça veut dire conseil électoral là, plus important. Parce que conseil électoral là, son outil de crise lié en dedans pays. C'est conseil électoral pour ça qui génère crise en dedans pays. Tenez bien, ou gen deux outils que la constitution prévoit. Yon qui ka génère crise, yon qui ka résoudre crise. Et dis-nous bien un droit constitutionnel, t'aime pas nous ça bien. Constitution prévoit deux bagages, deux outils. Un, conseil constitutionnel, conseil électoral permanent. Deux, conseil constitutionnel. Première, li connaît que première qui a créé crise. Li connaît que première qui a créé crise, qui c'est conseil électoral provisoire. Conseil électoral permanent. Li connaît qui a créé crise parce que ça a les résultats élections capables de contester. Et si le résultat de l'élection est contesté, ça va déboucher sur crise politique. C'est-à-dire, pas de bloquer le pays manifesté. Ou qu'on a le faire? Ou qu'on a la constitution prévoit? Constitution prévoit un deuxième bagaille, le conseil constitutionnel. Le conseil électoral là échoué pour le conseil constitutionnel là résoudre. Ou pour qui raison? États-Unis plus mais conseil. Conseil électoral provisoire, parce que li gère crise, le conseil électoral, c'est source de crise liée. Li connaît bien, parce qu'elle remet le pays en crise. De quoi c'est le pays en crise pour qu'il propose bon mounio, y a géré pays, ambassade américaine. C'est celle période de crise que l'ambassade américaine a fait joli dans le pays, dans le dossier pays. Faut créer crise là pour y'a fait joli là-dedans. Parce que depuis que stabilité, ou pas besoin américain vient entrer joli cacao dans le pays. Y'a pas besoin de pays ça au stable. Vous avez bien pour nous démocratie. Vous avez besoin de démocratie. Amérique toujours parler de démocratie, mais pas j'aime parler de l'état des droits. Parce que démocratie, hein? Qui importe cette démocratie sans l'état des droits? L'état des droits, c'est le respect des normes, oui. C'est le respect des normes, oui. De la loi, oui. Puis qu'on est, si qu'on conseil constitutionnel pays abstable, oui. Tout le monde qui compte ça, on va aller faire grandes études, non, pour qu'on ça. Puisqu'il y a une constitution, il faut qu'il y ait un gardien de la constitution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un conseil constitutionnel qui soit habilité, bien sûr, pour statuer sur la constitutionnalité des actes. C'est-à-dire loi, décret, ou pas si c'était une constitution, si c'était un conseil constitutionnel, je vous dis, Jovenel Moïse, t'es capable de mettre le monter conseil provisoire, ça, j'en voulais là. Pas même des crises. Pas même des parlants pile là, je dis là. Yo juste à mener. Opposition t'a dit saisi conseil constitutionnel là. Et puis conseil constitutionnel là t'a statué sous légalité, sous constitutionnalité des créa. Et puis arrêté qui nomme conseil provisoire. Et puis s'attendait à là. Problème résolu. La paix. Problème résolu. Mais les gens qu'on est bien, ils vont mettre. Ou qui fait tout le café ça ouvre avec la constitution. Tout autre pays, ça va avoir un conseil constitutionnel là-dedans. Qui pour garantir l'état de droit, qui c'est pour permettre à ce que l'état de droit fonctionne bien, j'en dois fonctionner. Nous toujours dans le caca. Il y a une démocratie sans l'état de droit. Il y a une démocratie sans respect des lois. Quand est-ce qu'on est une jeune bêtise ça?
Quand nous jeunes bêtises, nous avons réduit la démocratie avec question élection. Et pas mal, mesdames, nous avons fait. L'ambassade américaine a réduit la démocratie avec seulement question élection. Qui cause ça? Qui bêtise ça? Quand nous jeunes donnent des bêtises comme ça? Dès pas fait élection dans le pays d'Haïti. Dès pas fait élection dans le pays d'Haïti. Quand nous avons parlé, démocratie, c'est élection, élection, élection. Démocratie, c'est conseil électoral, et conseil électoral. Et depuis 1986, nous avons fait conseil électoral provisoire. Depuis 1986, nous avons fait élection dans le pays. Qui ça le bail comme résultat? Qui ça le bail comme résultat? Qui ça le résout pour les haïtiens? Vous avez toujours parlé de stabilité politique. Stabilité, stabilité politique sans respect des lois. Stabilité. Qui connaît pas une stabilité politique là? Qu'on n'a pas de stabilité institutionnelle, qu'on n'a pas de stabilité politique sans que pas un conseil constitutionnel qui est là pour statuer sur le domaine. Qu'on n'a pas de ni là. Qui compte pas de ni? Nous faisons commencer à faire macaque. Nous faisons commencer à faire. Eh bien, Américain, eh bien, ambassade américaine. Ambassade américaine, content. Si c'est une ambassade américaine, pas voulu. Ambassade américaine, Washington, pas voulu Haïti, des conseils constitutionnels là. On paye de 34 ans. Constitution gagne n'importe 34 ans de ville sous pied. Hein? Pas jamais dire, pas jamais. Ambassade américaine, pas jamais demander, pas jamais dire. Ah, monsieur, faut nous mettre pays ça. Faut nous mettre un conseil constitutionnel sous pied en dedans. J'ai constitution pour voilà. Non, y'a pas d'accord. Yo chita là, conseil électoral. Ou pour qui reste le conseil électoral, te m'explique nous bien. Parce que c'est celle qui a élection en dedans pays d'Haïti, y'a vu faire ingérence. Et vous donnez des élections ou dans des OEA, vin observateur, il y a boulé l'argent dans OEA. C'est là ça y a jeune l'argent pour y justifier, pour y vin boulé. Tout fonctionnaire OEA, yo, secrétaire, ceci. Depuis qu'il y a élection, en dedans pays, Caraïbes, ceci, c'est là. Yo, et pourtant, vous venez vin, comme grand observateur, Joel Bokier, ou dans des ambassades américaines, propose ceci. Tout ce caca qu'a fait. Parce que, yo pas vle pays d'Haïti. Gagner ça aurait le conseil électoral pour vie, conseil constitutionnel, même je la cour, même je aux États-Unis, gagner ça aurait la cour suprême. Où j'aime donner les États-Unis, des problèmes ça? Où j'aime donner la France, des problèmes ça? Conseil électoral, bullshit, élection, ceci. Depuis qu'il y a un problème élection aux États-Unis, tout le monde a le devant la cour suprême. Dernier cas, vous net. Et puis, depuis la cour suprême, statue d'attitude. Depuis la Cour suprême statue d'accès. Pour qui raison? Pour qui raison? Américain par le pays d'Haïti gon conseil constitutionnel. Why? Why yo pas fait bruit tout? Yo pas mande rage pour pays a gon conseil constitutionnel. Avant, yo fait élection. Pour qui yo pas fait ça? Yo préféré après je connais et constitution a des problèmes. Ce constitution ceci, ce constitution pays a tel là. Si tu as un conseil constitutionnel en dedans pays a. Conseil constitutionnel, là, t'as bien habilité pour l'interpréter constitution. Pour le jouer rôle, pour l'orienter constitution, pour le veiller sur constitution, pour le foncer les bagarres dedans, pour le prononcer le doigt. Mais non, le Québec pays, comme ce petit pays caca senti cri, le Québec pays a dans crise. Opposition, régime politique, élection, conseil électoral, élection, conseil électoral. C'est ça la démocratie, ah oui, qu'élection, conseil électoral. Mais quand t'as état de droit, pour y respecter les normes, pour y respecter la hiérarchie des normes, pour qu'il y ait contrôle juridictionnel, pour qu'il y ait contrôle qui vous fait sous institution pays, dans le pays pour éviter dérive. Autorité, yo pas d'accord. Yo pas fout d'accord. Et pourtant, chaque jour, le conseil, l'ambassade américaine, département d'État, t'es un gros fonctionnaire dans le département d'État qui sent-il consterné, parce que si c'est la capacité dans le pays, lui invite tout le monde, vini, il a fait menace. Y'a foutu même dans suite. Oh, si pas d'agir ceci, n'importe qui t'a campé face à l'élection, n'importe qui t'a ceci c'est là, n'importe qui t'a connu ce qu'on est là, a des conséquences, n'importe qui t'a ceci c'est là. Comme si on prend pays pour caca, y'a pas tout le monde dans pays pour Joel Bokier, y'a pas tout le monde dans pays pour drogue dealer, y'a pas tout le monde dans pays pour vagabond, y'a pas tout le monde dans pays pour monde qui pas contre lit, y'a pas tout le monde qui dans pays pour sans avé, y'a pas tout le monde qui dans pays pour kidnapper, y'a pas tout le monde qui dans. Ambassade américaine, pas ok, ni département d'état, pas ok, respect pour monde qui a l'école en Haïti.
Comme si tout le monde en Haïti c'est vagabond, tout le monde en Haïti c'est sans ave, tout le monde en Haïti c'est petit bébé, tout le monde en Haïti c'est petit chien, tout le monde en Haïti pas qu'on lit, tout le monde en Haïti pas éclairé, tout le monde en Haïti c'est kidnappé. Il y a tellement abdil à kidnapper, il y a tellement abdil avec drogue dealer, il y a tellement abdil avec mafia, il y a tellement abdil à volant, il y a tellement abdil pour yo en dedans société haïtienne, sur le pays d'Haïti pas les monde bien la donne, c'est sans ave, c'est caca, c'est volé, c'est kidnappé, c'est à tout faire, c'est assassin, c'est nèg qui a fait crime, c'est nèg là au besoin, yo mettez dossier drogue sur yo, y a la yo yo entre dans le Sénat, y a l'arrêté dans le Parlement, y a l'arrêté yo. C'est nèg sa yo pense pays a gen. Comme si pays a pas gen moun de bien, pas gen moun sérieux, pas gen moun qui étudie droit, pas gen moun qui formé, pas gen moun qui éduqué, yo pas besoin moun sa yo. C'est ça oui. Parce que si gen moun qui éduqué qui formé, si yo valorise moun qui formé qui éduqué en dedans pays d'Haïti, yo préfère fisye yo. Ta fè yo, yo a un problème avec la mort, tande ya. Yo préfère fisye yo. Parce que yon remè dirige pays ya pour se vagabond, sans ave, gangster, mafia, kidnappé, volé, drogue dealer, c'est yon qui pour dirige pays ya. Net qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, c'est yon pour yon mette pour faire loi en dedans pays ya. De quoi pour yon même? Blanc sa yon avec ambassade américaine, avec tout l'autre bois, tout département d'État qui rentre pour yon faire ça ou le, pour yon ka di à gauche, à droite, faire un gérant, j'en ou le, ou faire bunda ou j'en ou le, en dedans pays ya, décide, parce que l'homme dit comme ça. Le temps pour yon ambassade américaine, quand elle dit comme ça, a des conséquences, ça le dit voilà. Alors, je dis pas la rame, comme ça. Un citoyen de dans le pays, l'affaire politique de dans le pays, quoi, ou guerre, quand on va venir la rame, qui conséquence qui va gagner? Qui fout conséquence qui va fucking gagner? Qui fout conséquence qui va gagner? Et la mbelle, on est. Qui conséquence qui va gagner? L'on est dans la Cali pour département d'État, de la rame, qui conséquence qui va fout gagner? Nèg la dans pays interne la fait politique à Kaili, la décide de avenir pays, la décide de qui moun ki pou fout diriger la dans pays, la accord politique qui pou jeune qu'on y a si ambassade américaine pa va piller régime ça ou pas penser ou pas penser régime PHTK t'a vinn sou table négociation pour jeune accord politique. C'est parce que y a encouragé saloperie qui fait pas gagner accord politique. Même nous même là quand on fin pour pouvoir élection fin fait parce que les pour gagner élection c'est l'argent pour le bout et l'argent pour le brasser en pile nèg gars ou a pas le débloquer là ou a pas le débloquer l'argent pour élection c'est là ça nèg pour faire l'argent en pile fonctionnaire pour venir faire pour riche non ou a pas de corruption pas de corruption pour faire dans que ou a pour ça va pousser agenda là pour ça va pousser agenda élection parce que qu'on y a pas écrit rapport en dedans on a pas écrit rapport on oui pas gagne élection puisque on gagne élection ça yo nous peut pas support financier nous et puis attendez on va demander l'assemblée OEA pour assemblée OEA voter on cob pour voter Haïti dans cob ça on va demander yo même encore toute nèg qui dans tête OEA on va gagne l'argent dans monde yo et dans façon ça pour pas faire cob sur Haïti on va faire cob sur élection Haïti on va faire cob sur déboulon des élections c'est l'argent pour le brasser. Pourquoi ça nous pense blanc intéressé dans l'élection là? Nèg OE a intéressé dans l'élection, nèg comment relé bullshit ambassade américaine intéressé dans l'élection. Mon Dieu, façon pour faire l'argent. Alde encore, bon c'est on bon c'est on pas sérieux. Bon c'est que OK pour démocratie, toute journée a parlé de toute journée a parlé de démocratie Joel Bokier. Ou pas de démocratie, si on te veut pays à stable vrai. C'est pas accord politique ou t'a encouragé. C'est pas accord politique ou t'a encouragé, c'est menace ou t'a fait. Sur sérieux vrai. Ou te remè haïtien vrai et menace ou t'a fait malgré qu'on est sous faire menace li pral déboucher son crise ou connaît bien si élection al fait là la pral déboucher son crise pire dans des pays alors tu pas vle pays à développer ou pas vle nous pas vle nous ou pas vle nous vivre vrai ou pas vle nous faire sortir nan rien ou pas vle rien pour nous ou raï nous ça dit ça mi pays d'Haïti fucking raï pays a ou raï haïtien méthode ou montre qu'on raï haïtien. On lui encourage l'élection. Pour qu'il soit pas tiré Jovenel pour demander pour le mettre au conseil électoral. Pour le mettre au conseil constitutionnel tout bien. Pour qu'il soit pas tiré Jovenel pour dire Jovenel, mon cher, Jean-Bar constitution a paix de violer dans le pays. Pour qu'il ça nous pas mettre un conseil constitutionnel sous pied pour respecter loi, pour respecter constitution dans le pays. Pour pas prendre ça. Pour pas d'accord. Pour pas faire ça. Parce que depuis que le conseil constitutionnel, tout problème pays va le confronter, il va le résoudre. Dans le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas besoin d'OEA encore. Dans le Conseil constitutionnel, nous n'avons pas besoin d'OEA encore. Hein? Dans le Conseil constitutionnel, nous n'avons pas besoin d'OEA encore. Tout problème nous gagne, nous allons devant le Conseil constitutionnel. Là. Ça veut dire que nous avons un mécanisme juridique de résolution de conflit.
N'a pas un mécanisme juridique de résolution de conflit. Roman, les institutions instables, les institutions, les crises politiques, c'est le Conseil constitutionnel qui peut le pencher sous dossier ça, pour le dire. Roman, même Jean aller aux États-Unis, ou pas changer l'élection, George Bush face à Al Gore. George Bush face à Al Gore, pas changer l'élection ça, les gens de contestation dans l'élection, qui est-ce qui t'est statué? Il manque de déboucher son crise politique. Qui est-ce qui t'est statué? C'est pas la cour et pas cour suprême qui t'est statué. La cour suprême t'est statué, il t'a dit président Bush gain. Ou t'es une manifestation? T'es une crise politique? T'es tiré roche, t'es relé en moi? Non. Parce que yo depuis la cour suprême aux États-Unis penché sur un dossier. Automatiquement gain respect, yo respecté ça. Depuis la Cour suprême aux États-Unis décidé sur un dossier, tout acteur politique a pour mettre parce que yo respecté ça qu'on a de rule of law. C'est ça oui démocratie aux États-Unis, c'est le rule of law. C'est le the rule of law. Mais en Haïti, département d'État pas veut de rule of law en Haïti. Département d'État pas veut du Conseil constitutionnel en Haïti. Département d'État pas vle rule of law en Haïti. Dans le pays, la promote rule of law, la promote respect de la loi, la promote respect de la constitution, la promote respect cour supérieure, cour suprême. Mais en Haïti, c'est élection, déblosaille, brigandage, crise sous crise, fouet Jolino de dans le pays, fait menace, abdi a des conséquences, encourage drogue dealer, gangster, pour aller au pouvoir. Et ça l'a fait dans le pays, parce que son pays Jolbo qui est, un pays senti cri, sans sale qui la donne. Mais depuis c'est moun sérieux qui pouta entrer dans le pays, qui pouta parler, ou pas y'a pas de problème avec, ou pas y'a aucun problème. Est-ce que nous déjà mouen ambassade américaine sorti une note sous la mort badounia? L'ambassade américaine de sorti une note? Le gouvernement américain de foutre sauté en note pour te condamner la mort bâtonnier à mourir. L'ambassade américain de foutre sauté en note. Yo respecte l'institution dans le pays. Et puis dans le pays où yo fait caca, yo crase tout ça dans le pays. Yo crase, yo utilise toute excuse pour détruire le port. Ouais, j'ai un méchant. C'est criminel. Nous connaissons le pays déjà pauvre. Nous connaissons les restes de pas qu'à manger. Nous connaissons le pays à mal. Nous connaissons mal fonctionner. Nous créons crise sous crise. Nous fouillons John, nous 17 longueurs dans le pays. Nous créons crise. Au lieu nous encourager le dialogue. Au lieu nous dire à président, mettez l'institution sous pied. Respectez la constitution. Respectez ou de rule of law. Faites bagaille au droit. Respectez la loi. Respectez bagaille. Encouragez la direction ça pour bailler l'importance à la loi. Pour valoriser le droit en dedans pays. Non, John Bok, ça. Oh, élection, vire tout. Élection, John Bok, élection. Chaque congrès, élection, il y a crise. Élection, ça vient tourner démocratie. Debout dit démocratie en Haïti, c'est élection dit. Debout dit en Haïti, démocratie en Haïti. Debout dit démocratie, ambassade américaine, d'où élection. Mais jamais l'état de droit, jamais de rule of law, jamais respect de la loi pour homme en Haïti. Qui aussi respecté en dedans société haïtienne? Un professeur à l'université de droit constitutionnel. Un professeur de droit constitutionnel. Assassiné l'aide comme ça en dedans société. Pour une société, pour un coup comme ça. Et puis pour l'ambassade américaine, pas sortir en note. Pour condamner acte de barbarie, ça qui fait sous un homme comme ça. Ou à foutre sortir en note. Pour condamner acte de barbarie, ça. Ou pas encourager l'État haïtien pour rejoindre la justice. Pour bâtonner à la justice, ou pas faire aucun, au contraire, ou chita ou pour son agenda. Élection, ou tellement met dame, nous tellement met dame, département d'État, mettez tête ensemble avec tout Jovenel pour qu'on montre qu'il y a un climat, sécurité pour faire élection. Il y a le derrière Kanye West pour venir en Haïti pour montrer au pays a bon, tout bagay a marché, pas de problème, climat, pas de insécurité, vrai genre dit là, pour le pays a douce tant la bouboute. C'est ça yo fait, oui. Et deux calculs nèg yo fait. Pour question climat insécurité en dedans pays a. Deux calculs yo fait.
premier temps qu'il y a fait, ou pas, sur pouet, même jouant, non seulement jouant, des résultats ça ou pas. Libération, libération, et Alexandre, policière, avec Kenyo, Kenyo West qui est entré. Même jouant. Pendant Kenyo West entré, pendant Kenyo, quand il est entré en Haïti, il a libéré élément. Pascal, ça veut dire, tout bagaille normal, pays douce pour élection. Tout bagaille en rangé, table bien rangée, n'a met couvert, n'a met ta assiette, diria sous di fait tout fait, tout bagaille commence rangé pour pays à non élection, pour tout bagaille fait. Premier bagaille il fait, premier bagaille président fait. Bah expliquer nous bien processus là. Premier bagaille président fait, il prend Timine, il prend ministre affaires étrangères ça, il fait tout non ministre de propagande. Il prend Ti Claude, il fait Ti Claude tourner en ministre de propagande. On reste avec. Il prend nèg à doctorat, intelligent lié. Li pou on nèg a doctorat pour le caca tout le monde, pour le caca communauté internationale là. Ouais, je n'ai pas acheté car on intelligent. Li pou on ti nom a doctorat sans caractère, sans personnalité. Li prend monsieur et puis il met dans tête ministère affaires étrangères et puis il dit mais job moins ba ou. Elle fait propagande pour élection. Et puis j'entends des ministres sorti en note, li tout nèg li connaît qui pas ka faire job là, li rentre dernier, li retire tout, li font appel, li rappeler tout. Et puis qu'on a le mette nek pal avec une mission bien spécifique. Al auprès autorité dans le pays nous mette nous, al fait propagande pour question élection. Machine électorale là dans route. Élection pral fait. Renouvellement politique de la classe politique. Renouvellement du personnel politique. C'est gros discours, entendez oui. La volonté du président de la République pour l'instauration de la démocratie en Haïti. Et puis le renouvellement de la classe politique. Discours bien construit. Et puis j'entendez à machine propagande. Nan kon y a ministre affaires, ministère affaires étrangères a tourné en machine de propagande auprès de l'international pour vendre dossier élection. OEA fin enragé, corps groupe fin enragé, ceci c'est la fin enragé, travail la fête, et puis comme il s'est fin bien fait travail là, automatiquement on entendait, oh, deuxième bagaille qui fait, bi ou yon mette conseil électoral provisoire sous pied, conseil électoral provisoire, propagande fin bien fait, oui, va bien comprendre, game nan, oui, propagande fin bien fait, on prend l'argent bay tout, oui, OEA, corps groupe, ceci c'est là, l'argent bon bagaille a fait, brassage a fait, ça veut dire yon endouci communauté internationale là, yon géré communauté internationale là, bien géré, et puis qu'on fin bien graissé pas communauté internationale là, ça veut dire yon montré haïtien que nous gen contrôle le blanc, monsieur le blanc nous gen contrôle OEA, nous gen contrôle corps groupe, nous qui contrôlons l'ambassade américaine, nous qui contrôlons le département d'État, nous qui contrôlons ceci, cela, et puis, depuis qu'on contrôle blanc, ça veut dire qu'on y a machine électorale là pour continuer à marcher. Si Claude Joseph, qui sans caractère, sans personnalité, le fait travailler ça bien. Donc, oui, depuis nous qui contrôlons blanc, donc, oui, si opposition, John Bok, qui n'a pas qu'à résoudre rien, et puis qu'on y a deuxième bagaille au fait. Deuxième coup, yon fait. Et puis, quand y a là, yon relè ambassade américaine. Yon dit ambassade américaine, si monsieur opposition commence à en pile problème, hein? Si monsieur opposition commence à en pile problème. Et puis, ambassade américaine, dit pas de problème, mon cher. Ou quand y'a un bio. Moi, y'a un bio. Ou quand ça régime nan fait, régime nan vin avec dossier, li prend ILCC, li prend l'autre élément, là, le mette dans tête ILCC, avec YCREF, on ti jeune garçon tout neuf, yon prend, yon mette dans tête ILCC pour vin font job sale. Yon relè misé, yon mette dans tête ILCC, qu'on y a pour vin faire persécution politique. Yore le Yuri Latanti sous dossier ONA, yore le Reginald Bolos sous dossier ONA, yore le on l'autre élément encore sous dossier Sogene. Quand yon rentre Dimitri dans Kaka, yon rentre Yuri nan courri avec Tibagay boutique. Ti boutique Zé Yuri gen Léo Ganan, et yon rentre élément yore le Boulos la, nan courri tout avec bagay, parce que konne Boulos se concessionnel yé, ta l'otan de blanc re le concessionnel yon la, et puis yon pa renouvelé contrat Boulos. Zempete kon yon manye intérêt nèg opposition. Kon yon fin manye intérêt nèg opposition, tout nèg fret. Yuri la toti fret, Dimitri la toti, Dimitri rentre nan Nishli, et Reginald Boulos pa e kel li rentre nan ba Moudali pou pa perdi intérêt. Nèg yon pa jouer, nèg yon pa réfléchi pou tout moun. Nèg yon pa nan kaka. Et là, on bullshit avec moun. Troisième bagaille nèg yo fait. Y a maîtrisé dossier. Troisième bagaille nèg yo fait. Kon y a là, lè yo gade yo wè. Et la police a sorti pour craser nan men yo. Yo wè ti monsieur 509 yo sorti. Zimpété, kakaboye. Yo fin maîtrisé. Yo fin maîtrisé. Ti dam nan. Oui, comment yo le ti dam nan? Ti dam ki te nan bagaille la. Comment yo le manze encore? Yannick. Yo utilise Yannick. Yo brasse Yannick. Yo utilise ça. Yo fin maîtrisé Yannick. Yo ba yon ti vol la yo rele et nan tête SPNH la yo mettel et puis yo lave SPNH kon ya la yo bezwen maîtriser
Yo besoin maîtriser gon l'autre dossier d'une tranche non mais yo qui c'est dossier 509 fantôme là. Et après là me demande 509 fantôme yo à bagarre, il y a mais c'était à cap fait. Pas qui mon qui a dit mes menti. Premier nèg qui monte sur Facebook là me dit avec on met en poste, me dit ah, qui mais c'est 509 ça était à cap fait. Ou pas qui zam nan mon pour faire tia. On fait caca boule ca machine, fait ceci bullshit. Et puis c'est bagarre clan qu'a réglé. Bagarre clan qu'a réglé. Ou imagine yo mandé la justice mettait petit là dans Pascal la prison et puis qu'on a demandé il fait usage de force et puis automatiquement pour calmer les dossiers pour montrer que climat insécurité yo gen contrôle tout bagaille yo lagué Pascal là au fin lagué Pascal qu'on a bagaille fantôme pas capable encore qui ça fantôme va dire fantôme section n'a pas capable dire bullshit fantôme fait n'a pas capable dire bullshit ou t'es besoin manifestation ou t'es besoin Pascal yo bon Pascal fait menjolo qu'on y a la paix, ok? Pas de bagay, qu'on y a tout le monde d'après agité sur Facebook, tap di ou fantôme, c'est que t'en neuf pas le fond bagay sérieux, kakakakakakok. Tout le monde, qu'on y a, qu'on y a compte que fantôme, c'est que t'en neuf, femme djolou. Qu'on y a tout le monde entré dans base, c'est là. C'est Pascal ou t'as demandé ou pas Pascal, femme djolou. Qu'on y a là, deuxième, troisième, quatrième bagay, n'est-ce que fait, pour bagay, y'a le derrière Kenny West. Y'a le derrière Kanye, pour montrer tout le monde. Tenez! Mais comment y a le derrière Kanye? Y a le Jésus Hugo Kanye. Kanye, al courir la gécole Jamaïque. Moun Jamaïque là, moi non moun da Kanye. Tande. Kanye tabal Jamaïque, moun Jamaïque dit bullshit. Kanye va mettre Zagol. Jamaïque. Moun Jamaïque là, moi en haut. Zépété, kakavoye. Kanye, ne kap pense pour PHTK ou dit. Pourquoi c'est pas bon moment pour nous utiliser Kanye? Pour le faire venir en Haïti, pour montrer que le pays a fonctionné. Pour montrer que nous avons contrôle. Hein? Pour nous avons contrôle, le pays a. Et puis, Jovenel Moïse dit, c'est une bonne idée. Si nous venons avec Kanye là, nous avons un gros message à tout le monde que le pays a pas de problème de sécurité. Moi, je suis intelligent. Quand il y a ce terrain, il a préparé pour l'élection, il a montré qu'il y a contrôle pays, le climat et sécurité a fini, question c'est là. Pays a tellement gain sécurité, mais quand il vient faire touriste en dedans pays d'Haïti, tellement pays a gain sécurité. Comprendre pays a tellement gain sécurité, mais quand il a brûlé, pas oublier, c'est même département d'état ça. Même département d'état ça qui te mette à l'alerte rouge. Sur Haïti, qui t'a découragé ressorti sa américain pour venir en Haïti. Oui, pas oublier, non? Même département d'État, ça, je ne l'ai pas même département d'État, ça, qui entre, qui dit pas de problème. Quand yon ka vini en Haïti, quand par exemple, quand yon a cause élection en jeu, quand yon met vin kale mou dans Haïti, quand yon vin mou, vin kale ko, yon tellement intelligent, quand yon pas au prince, non, yon fait quand yon a l'okap. Réfléchis une seconde, pour que yon se au cap yon la quand yon. Pour qui raison c'est au cap à la gande? Pour qui raison c'est au cap y'a la gande? Moi, je toujours dis nous ça. En cas de histoire pays d'Haïti pour nous. Au cap haïtien, pas j'aime contribuer dans le non, régime à l'idée. Ce soit la Tibonite Gonaïve et Tigouave, la Tibonite. Plateau central, Tigouave la Tibonite, plateau central avec Sud. Qui kon leve contre le gouvernement. Mais ou a moun au cap, moun nanan, jamais. Ça va yon fait. Yon toujours cherche une façon pour yon entrer vantou en bas régime. Moun nanan. C'est ici un pouvoir moun nanan. Tellement yon aime pouvoir. Ou j'aime d'ande dans l'histoire pays d'Haïti. Moun non, j'aime lever contre le régime. Jamais. Seul côté pour j'en lever contre le régime, c'est soit d'ande moun plateau central, levé. Moun la Tibonite, levé. Moun nan sud, levé. Contre le régime. Mais ou moun non, jamais. Tellement yon tise pour vous. Et pas pour ça raison qui vont attendre à l'OCAP. Et pas pour ça raison qui vont attendre à Matéli. Qui vont attendre à Matéli à l'OCAP pour venir Moudal là. L'alcal et Moudal à l'OCAP là. Et pas pour ça raison non. Mouna kabouè là. Mouna non.
Et si c'est pouvoir, oui. Toujours là pour justifier pouvoir. Yo pas j'aime courage pour bloquer. Voilà. Mon non, non, pas j'aime courage pour bloquer. Oh merde. Pas j'aime courage pour bloquer. Oh merde. Mon non, non. Eh bien, sérieux, ma bonne. Et pourtant, il y a pas l'autre. Et puis, comment on est. Oh, la fierté. Oh, 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 la fierté, cap et christophienne. La fierté. Tant un sous-sou. Tant un non-non sous-sou pour pouvoir. Gardez le comportement. Quel libastien vous êtes. Vous allez dire que j'ai col pour l'entrée en bas votre pouvoir là. Tant un non-non qui sous-sou. Eh bien, c'est ma baou là. Et c'est le bête. C'est ça le bête, ou bien je fais un bagage sérieux, renverser pays, renverser régime, ou poser. Ou j'aime dans des nanos, des révolutions faites maintenant. Moi, je vous dis, moi, je vous dis, tellement mon nanos lâche. Tellement mon nanos lâche. Tellement mon nanos lâche. Gardez-vous, n'importe mon côté. Pour mon rentrée. Pour le vin, faut chambardement qui connaît ceci. Tout bagage a fait. Où est Guy Philippe t'a rentré? Qui côté Guy Philippe t'est passé? Qui côté Guy Philippe t'est passé? Ou bon c'est que mon non non t'a campé pour faire résistance à Guy Philippe? Quand on a parlé? Guy Philippe commence dans les noms. Guy Philippe commence dans les noms. Eh bien, c'est ma bon là. Qui bon? Quand on va compter sur mon non? Ou va compter sur mon non non pour bataille ou chire? Quand on a parlé? Bullshit. Non non, moi non non, moi non non, pas résistance. Pour la résistance, mon dieu, mon plateau central, mon dans le sud, mon non, dans la Tibonite qui compte camper pour faire révolution, pour voir qui bol, dans les noms, t'es m'doute, yo, et c'est le bagage, mon non, toujours propose, yo parle français, puis bien, j'en le pointi, fait ceci, et puis retourne pouvoir pour fouer tête, yo n'a pouvoir. Et quand on a mon non, il propose, yo grand poète. Fouye, j'en pointi, ceci propose yo jaloux parce que tout le monde qui connaît. Oh, t'as l'air de Hakem là, Hakem ceci. Oh, Hakem, toi de bois, avine bois, tout ce caca. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, Hakem. Et puis, gardez là, Mateli entre là, dans figure, elle fait caca. Bon, d'abord, Mateli là, j'en boulal fait la tibonite, madame, capable. Maman, la dit, plateau, c'est là, il entre au cap, il ouvre moudal, j'enlève. Il ouvre moudal, j'enlève, le calé moudal, j'enlève, là, dans figure. Là, président descend. L'autre bois, au cap. Li dit mon cap 350 ans. Ma fout non ferry. Ma fout non bagay là pour nous monter à regarder pour bourik mon a monté toujours. Bourik. Regarder pour bourik, bourik mon a monté toujours dans nord. Fais ma cap, fais caca. Fais ta propose. Yo propose. Et puis on toujours propose de confierté et non, confierté non. Oh les non. Oh oui, je suis de Capra. Oh oui, Capra. Oh oui, le Capra. Bullshit. La fierté christophienne, bullshit. Il y a parlé de la fierté christophienne. Il y a pas même bon ça Christophe t'es bien. Il y a même comprendre l'esprit Christophe. Zamim. Le Christophe renie contre na état mono cap. Sousou. Le Christophe renie contre na qui état mono cap. Che. Christophe saisi ou na qui état. Christophe dit ah, et na état ça mono cap. Che. Sousou. Christophe mettons dictature dans les noms. Christophe Pétébunda, nego kabakout bâton. Eh bien, c'est ma bon là. Le Christophe remarque. Li dit, s'il pas mette bout. Li dit, Christophe renni compte. S'il pas gère mouno cap. S'il pas gère mouno cap, moun nan nan. Y a quitté les noms pour y aller jeune pétion dans le sud. Dans l'ouest. S'il pas gère ou bien à coup de bâton. Christophe foutou dictature dans le nord pour péter bunda yo, li péter bunda yo, li péter bunda yo à bâton, li péter bunda pour faire quitter au petit sousou. Regardez, tellement Christophe péter bunda yo à bâton, on y a eu révolte contre Christophe, tenez bien, on y a eu révolte contre Christophe. Christophe pat nego cap, non? Christophe pat nego cap, on y a eu révolte contre Christophe, vous avez vu? Christophe pète mouda au coup à coup de bâton. Comment ça Christophe fait? Ou comment ça fait? Yo préféré tomber dans fait ti sousou. Bay coup de langue, fè coup de traite. Yo préféré tomber dans fait ti sousou, bay coup de langue dans coup de traite. Mouno ka, tellement vin pè, yo pè pouvoir, yo pè Christophe. Yo préféré bay coup de langue. C'est ça que fait. C'est coup de langue yo tal bay général là.
Le Christophe campé pour y aller retirer. Pour y aller retirer. Et Paul là. Et puis monsieur dit, mes épaulettes, je les ai gagnées sur la chaîne de bataille, vous me pouvez me les avoir. Son coup de langue, oui, n'est-ce pas capté par le général là. Son coup, c'est non sous oui. Non sous oui, au bail général là. Il y a le bail Christophe, coup de langue sous général là. Et puis pour général là, tellement au sous-sous. Non, pour nation sous-sous. Non, pour, regardez, où est le jour sans relé, non, non, pour nation sous-sous comme ça, sous la paix. Yo connaît bien. Gade yo tellement sous-sous, moi moutou kote nation sa son nation, kote région sa zone sortant de Wele Nenor, tellement rage. Y'a fête la ville du Cap, nèk la dou kon sa, oh, ville la gen 350 ans. Tade, Cap Haïtien gen 350 ans. M'di, ket, Cap Haïtien ki gen 350 ans. Li di, oui, Cap la, Cap Haïtien gen 350 ans. Ouè tellement yo sous-sous, tellement yo chien yo oublié que nous te prenons indépendance nous tellement sous sous yo oublié bataille qui t'est faite pour accoucher pour qui raison yo parler le cap haïtien cap français encore le cap haïtien quand on commencé pour fêter indépendance dans notre cap haïtien moi tout là et groupe bon enragé là non yo préféré undermine yo préféré minimiser. Je préfère, mon cap préfère minimiser, porter indépendance quand tu prends. Qui fait retirer les caps là, qu'on cap qu'on a cap haïtien. Je préfère plutôt diminuer, minimiser importance indépendance là. Oh, pour yo, au cap haïtien. L'homme de qui est-ce qui te font des cap haïtien? Yo du blanc français. Attendez, blanc français font des cap haïtien. Blanc français font des cap haïtien, blanc français font des cap français. Blanc français font des cap français. Nous ne pouvons pas prendre Cap-Haïtien. Cap-Haïtien, c'est un Cap-Haïtien après que 100 ans, 7 nous ont fini couler. Là, bleu français, là, du bleu français, fond de Cap-Haïtien. C'est l'esclavage qui dégaine Cap-Haïtien. Cap français, oui. C'est l'esclavage, oui. C'est l'esclavage, c'est beau saluté, oui. Nèg nan non. Et beau saluté, go bourri. Je t'ai fait pour tes choix, je t'ai fait pour tes bêtes, je t'ai pété mon doigt dans le cap français. C'est ça que tu as fait dans le cap français. Tu as dit, il a fêté. En même temps, il a fêté villa, il a fêté esclavage que les ancêtres nous ont combattu dans le nord. Ouais, tu n'es pas méchant. Ouais, tellement yon sous-sous, tellement yon sans caractère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tellement yon chien. Quand il y a du gros, oui, ville, oh, la fierté de la ville, toi sur 50 ans, la fête de la ville, t'as le dit, il y a une très période d'esclavage là, il y a une autre période de la fête. En même temps, il n'y a pas rendu compte si c'est esclavage là, fête et tout, non? Oh, yo, chien, il n'y a pas rendu compte si il y a fête esclavage français qui t'a fait dans les noirs. Tellement sous-sous, tellement vicieux, tellement met d'âme, il y a pas de met d'âme. Il va mettre chien de Milan, non? Et bien, toujours pas besoin de rien, ok? Premier monde qui vous pense, ok, la fierté christophienne, bon, menti, oui. Bluff, d'après, depuis yon ba yon dekout, depuis yon prend dekout pour yon aller moun da yon de. D'après, bête lâche, en demi basé ou non? Menti. Ça va, je me lève en aigui. Moun nan va, je me lève en aigui. Al fait histoire pays d'Haïti pour yon kaka. Prends-toi étudier l'histoire pays d'Haïti pour eux. Mon nom n'a pas jamais rêvé en aigu. Gardez pour eux. Tout le monde a un petit rapprochement là à parler. Mon nom le sud, il y a un rapprochement là à parler, même j'ai avec mon plateau central, il y a un rapprochement là à parler. C'est sérieux même qui a une différence linguistique là à parler créole. Qui nomme, akem, ekem, kakem, regarde mes amis, c'est si c'est là. Et puis, tout reste pays là. Tout respect, il y a parlé créole là, genre, a ken, ke, kem, kre, ken, de, te, a fait macaque. A fait macaque. Eh vrai, oui, pour moun nan pa route, pour moun nan pa route pour fêter ville pour, ou haïtien, koun y a haïtien pour fêter, fête en ville pour commencer avec période coloniale. Période d'esclavage. Ou pas, problème, pas fêter l'esclavage. Ça veut dire, la moison, c'est tout, yo sentez coup le 1804 là, yo pas mis en merde, pour. Tellement yo chien. Tellement yo. Et puis, y'a bat pour yo justifier ça. Ou qu'on s'en remet, y'a rangé quoi, yo dans l'intellectuel senti caca. Yo dans l'intellectuel senti poupou. Y'a bat pour yo justifier période coloniale là. Non, fondation village. On a fêté la fête du ville, la fête de la fondation, la fête du ville du Cap Haïtien. Qui fait toi péter? T'es un cap français sans esclavage, imbécile.
idiot. Ou ka fête la fête du ville du Cap. Raison qui fait te fond de ville du Cap. Mon c'est pour te c'est à cause de l'esclavage ou te fond de ville du Cap. Bon imbécile. Bon idiot. Ah, on vient parler mon faire mon faire caca. Là on t'a fond de ville du Cap ici, du Cap français. Y a fait le Cap français oui, idiot. Bon mon sorte. Et puis, vous pensez au plus intelligent, vous pensez au plus malin. Ok, vous-même, si vous avez besoin de faire l'obéir, allez au Cap. Et c'est le pays où vous là, nous faire l'obéir, on voulait. Non. Dès que vous avez besoin de faire l'obéir, allez, non. Vous faites l'obéir, on voulait. Eh, mon nous, oui, Coco. Au Cap. C'est un pays. Eh, ben, c'est pas mon nom, mais pouvoir. C'est tisser pouvoir, oui. Tisser pouvoir fini. Yo pito trahou, yo pito fè sousou pour venir pouvoir. Ba essayer mbo la. Mwen douta. Quand t'entendez on est plateau central a bon minimum de conviction. Yo nèg la Tiboni ta bon minimum de conviction pour dire on bagay. Yo nèg dans sud au moins ka camper li font résistance. Eh! Nèg non. Ou mal pouvoir. Ah Dieu monsieur. Nèg non. Je nèg non ti c'est pouvoir ça. Je n'ai pas de tisse, je n'ai pas de foutre un coup de langue, je n'ai pas de faire sous-sous, je n'ai pas de ramper. Non. Allez, regardez pour vous. Non. Si c'est moi qui m'a banné. Elle fait toujours. Non, le plus souvent, les Français ont toujours aimé. Non. La France, les pays, ils ont toujours aimé. Non. Parce que non, soupe. Hein? Nèg nan soup. Nan, y a moun ka ba résistance, non? Y a moun ka ba résistance, nèg nan. Y a moun ka moun nan ba résistance. Moun nan bezwen fè révolution, c'est avec moun nan. A nou regarde. Depi moun ka antre an dedans pays a. Moun nan non. Depi ou bezwen fò rébellion, moun nan et pa nan pou pase. Et pa nan pou pase, si ou bezwen fò belle rébellion, moun nan pa gen problème avò. Ou met pase on vle. Là ou pè pouvoir. Yo tise pouvoir depuis on a mette dictature dans monde yo content. Yo content. On a vini ou une chita a parler. Hein? Qui idiot si ça? Qui je de idiot si pour dire on paye au 350 ans, va mettre y'a mettre ferry, l'autre boy a mettre téléferry pour monter pour ceci cela, 350 ans avec ceci. Nous connaît chaque jour y'a jeu bagage ça pour nous pour montrer dans qui niveau Jovenel ba nous menti. Nous j'aime demander nan mono cap camper là comme si pour yo dit je venais garder gens yo pour Kenny quand il là y a le cap avec l'ouvert bundal gars dans le nord c'est là c'est celle côté président calé mondal puis bien dans le nord et celle côté vi retourner président dans le nord président est dans le nord et oui. Président dans le nord. Et puis tout le monde, quand le président arrive, tout le monde va dire, dans le nord. Vive le président. Malgré yo, le président va mettre feria, va mettre téléferia. Oh oui, le président. Matéli vini fait carnaval dans le nord. C'est Matéli. Oh Matéli, quand les moudons, le nord, mon cap c'est pour rouler. Quand les moudons, j'en voulais, mon pas camion, mon pas dit rien. Dans le nord. J'aurais mes pouvoirs, depuis ma je me suis moi-même fait ça. Si c'est pouvoir, c'est eux, non, c'est là. Moi, non, le nom. Moi, je n'ai aucun problème avec eux, mais il faut être conscient. Ou pas cap camper pour permettre de vous dire que ça, ou pas le fêter 350 ans. Comment vous faites 350 ans? Si vous faites 350 ans, ça veut dire, un bataille qui t'est fait pour nous faire indépendance là. Esclavage là, ça fait avec eux. Ça fait avec 300, avec esclavage, période d'esclavage là. Ça fait avec une équipe, ou pas comme pour les au fond des villes au Cap, les au fond des villes Cap français, c'est sous 100 esclaves qui ont fondé lui. C'est pour esclaves de bataille, travail, ou pas qu'on libre non. Ou pas qu'on existe, si nous avons tête green, pas qu'on joue Cap français non. Si nous avons tête green, pas qu'on joue Cap français, faut en prendre comme ça. Ville là pas de ville où. Ville là vine, ville où. Après 1804, ville là pas de ville où. Tu as fait que villa, c'est pour commencer l'après 1804, on va pas commencer l'après période. Haïtien, toi chien, man. On va pas comprendre Haïtien, man. Haïtien, toi chien. Villa, pas pour où? Villa, était pour français. C'est français. C'est qu'on est français, peut-être qu'on a les coins dans le cap français. Et bien, ou même c'est esclave, non, choc, quand nous t'es, qu'on a coupé, quand?
Et nous, chaque quand nous avons coupé quand, fait si haut pour boss la manger, pour blanc manger. C'est blanc, français, qu'on a calé. C'est blanc, français, qu'on a calé. Il a fait le cap français. Il a fait le cap français. Faut apprendre à respecter les gens qui pour vous. Faut que nous apprendre à respecter. Non, nous apprendre à respecter sans cette qui t'est coulé. Faut apprendre à respecter ça. Nous chier toi. Nous fout chier toi. Faut apprendre à respecter. Faut apprendre à valoriser la bataille moun sans peuple haïtien. Capé de coulé. On peut bataille pour vous. On joue 7 millions de batailles pour une bonne liberté. En 1804, nous prononçons acte d'indépendance. Nous avons dit nous couper relation avec la France. Nous mettons tête, nous mettons pays, nous mettons des affaires. Nous changer nos cap français. Nous avons le cap haïtien. C'est-à-dire naissance. Son nouvelle naissance liée, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est ça que nous avons nouvelle. Nous avons le cap haïtien. La nouvelle naissance, c'est-à-dire son nouvelle ville. Avec une nouvelle vision. Avec une nouvelle façon de faire. Avec une nouvelle mentalité. Une nouvelle culture. Ville. Mais nous tellement sous-sous, nous tellement chien, nous obligeons 350 ans, 350 ans. Ah, remarquez, je vais faire une différence. Non? Nous connaissons ville Gonaïve, existait avant ville. Ville Gonaïve existait avant ville au Cap, ville du Cap, nous connaissons. Ville Gonaïve existait depuis sous période de Cassique, oui. Je te dis le Gonaïbo. Où est la différence? Ça veut dire si il y a une ville qui existait depuis plus bien longtemps, c'est la ville Gonaïbo. Je te dis le Gonaïbo. Et là, oui, Goumo, non Gonaïbo la sorti. Gonaïbo. Depuis période Kassika, depuis période indien. Ville Gonaïve a existé. Ouais, vous pour qui raison mon Gonaïve? Ouais, quoi c'est? Vous pour qui raison mon Gonaïve? Rele ville Gonaïve, la cité de l'indépendance. Yo rele la ville Gonaïve, la cité de l'indépendance. Parce que c'était en Gonaïve que la proclamation de l'acte de l'indépendance a été lue. Au Gonaïve, il était lu. 1er janvier 1804. Malgré ça, on a parlé de villa, nous fait référence à villa comme cité de l'indépendance. Parce que nous comprenons l'importance de l'indépendance. Nous comprenons l'importance sans Noir tête grand nous te coupé, qui te coulé pour nous. Nous comprenons l'importance de la révolution haïtienne. Nous qui n'a pas compris ça veut dire révolution. La révolution haïtienne, c'est la révolution la plus complète qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu lieu dans le monde. Oui. La révolution haïtienne, oui. Toute révolution française, révolution américaine, son révolution blanquée, oui. Son révolution surface, oui. Son révolution de la superstructure, oui. Mais la révolution haïtienne n'y touchait ni la superstructure, ni l'infrastructure, oui. C'est ça, oui, c'est pour ça que la révolution haïtienne, c'est la révolution la plus complète, oui. Mais là, après, au cap, vous commencez au cap, depuis période français. Ça veut dire, ou pas prendre révolution haïtienne pour un merde, non? Ou pas prendre révolution haïtienne pour un yé? Ou pas prendre révolution, ou pas comprendre ça veut dire la nouvelle naissance? Ou pas comprendre ça veut dire révolution? Ou pas comprendre ça veut dire changement? Ou pas comprendre ça veut dire rupture? Ou pas gros problème dans le nous? Ou gros problème, mais tout gros mentalité esclave toujours. Sou ka imposé la période colonialiste et esclavagiste pour inscrire et nos dimensions temporelles de la naissance de la ville du Cap, mon cher sœur, nous enragés, dernière classe. Même le français a gardé nous mal. Regardez, lui, on a qui niveau nous aliéné. Nous remets bien sans souhait. Ville la pas pour vous. Avant ça, elle était cap français. Elle pas pour vous. Pourquoi vous remets comme ça? C'est ça que Christophe te connaît ça, oui. Christophe te connaît ça, oui. Là, au chambre du Folbal ville là. Il dit, je vous donnerai la ville que lorsqu'elle sera réduite ensemble. Et donc, on est. Ville ça, on a pu tomber 10 la donne. Au bal blanc.
que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Allez, monsieur, t'as détruit tout ça, blanc, t'es gagné l'autre bois. On a doté, une bêtise, une bagarre. La mentalité, ceci, cela. On a toujours proposé plus sentimentaliste, passé monde, je remets au cas. Menti, toutes ces mythes. Regardez pour eux, majorité nègre. Majorité nègre qui bataille. Pour prendre l'indépendance, combien qui sont au cap? Quand on va venir dire que Christophe c'était nègre au cap? Allez, Christophe c'était nègre au cap? Eh bien, cherchez, allez, allez, histoire pour voir si Christophe c'était nègre au cap. Allez, nègre, ça a été courage comme ça, au cap, il y a des outils. Quand on va venir dire que Cabral a des autres au cap? Allez, regardez pour eux, allez, histoire pays où? Regardez qui côté nègre ça a été sorti? Des salines des autres au cap? Regardez pour eux qui côté nègre ça a été sorti? Regardez pour nous, allez chercher pour nous combien héros, combien héros, vilo cap de bail. Même pas minimiser, non? Mais il faut nous gagner conscience historique. Si vous n'avez pas le conscience de l'histoire, si vous avez perdu le sens de l'histoire, et si vous avez perdu le sens de l'histoire, comment on va faire avancer? Madame Michel, Madame Bédel, Madame Bédel, c'est vous donc. Madame Bennett, mon dérangeur, blablabla. Madame Bennett, vous connaissez. Madame Bennett, vous connaissez, oui, les Bennett sont du Cap. C'est du Cap, par exemple. Vous connaissez, oui, les Bennett. Mais, en réalité, je ne sais pas, Madame Bennett. Vous comprenez? En réalité, je ne sais pas. Mon Cap tise pouvoir. Mon Cap tise pouvoir, yo sous-sous. C'est vrai, en réalité, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est ma réalité, mon bail. On a mes pouvoirs, et bien essayez, pas de mentir la donne. Bon. Parce que faut étudier l'histoire d'Haïti, mais en même temps tout, il faut qu'on approche régionaliste pour faire de l'histoire. Si vous ne faites pas approche régionaliste de l'histoire, ou que ne pas ou pas reconnaître. Par exemple, ou à mon Latiboni, je vais vous donner un exemple. Ou à mon Latiboni. Mon Latiboni, bon problème, bon gros défaut. Moi, je vais vous donner bien, parce que faut étudier. Faut faire le régionalisme pour étudier mœurs à culture, mœurs avec culture chaque jeune et région dans le pays. Jeune, ou à Moun Latibonit par exemple, Moun Latibonit, c'est un monde qui va vraiment aimer institution à autorité. Moun Latibonit. C'est un monde qui très bourreau. Nous avons une mentalité très beau, très rustique. Mon Latiboni a une mentalité très rustique. N'est pas petit bagage yo rien avant. Yo de camper dans figure yo dou a manger. N'est pas petit bagage yo rien avant. Yo camper dans figure yo dou a prendre manchette ou nan mon. Y a prendre manchette ou yo rentrer aller manchette, yo y a tirer manchette. Mon Latiboni pas croire dans justice comme si yo parle devant institution, yo parle devant l'état dans parquet avant. Pour y aller résoudre problème. Moi la tibonit pas gagne, yo juste des besoins. Yo toujours quoi pour nan ça relé éducation populaire. Yo quoi dans éducation populaire, aller manchette, yo couper tête ou prendre ma parole voilà, mettez le souvent tout. C'est comme ça nèg ça aurait mais résoudre problème par la violence. Moi la tibonit. C'est problème là moi la tibonit gain. Moi la tibonit c'est moun la prendre ma parole voilà là, un petit moment là de temps tout bon ou faire l'on bagarre l'estomac et te résoudre temps li là, ta lola gado c'est à manchette lui ni là. Les manchettes qui tirent couline, mais bon, et vous attendez à la zimpété, et puis mon Latiboni tout bon bagaille, zone ça toujours battre à l'autre zone, c'est comme ça yon tire manchette, mon nan ou en bas pas d'accord avec l'autre, mon nan bas pas, mon zone en ou pas d'accord avec mon zone en bas, ça veut dire yon toujours tous ces mouns d'appuyer yon entre yon. Mais mon Latiboni bon qualité là, ka yon, que moi aimé, pendant yon en conflit entre yon, yon pas vle ou institution, y'a pas les manchettes, y'a pas les coulines yon. De vous, on a fait avec un monde Latibonite, c'est comme si m'dadou, on a fait avec toute Latibonite là. Nèg Latibonite, pas trahi nèg Latibonite. Nèg Latibonite, comme si m'dadou, ou on a fait avec un monde Latibonite là. Mais puisque, son monde l'autre région sorti, non, l'autre sorti, et puis automatiquement, battre la papouli, non, li entre la donne parce que c'est nèg Gonaïve, li entre la donne parce que c'est nèg Dédine, li entre la donne parce que c'est nèg Latibonite, et puis soit en derrière la tour, bataille mette pied, pas quitter sa rivée, c'est nèg Latibonite nouye. Avait dit,
régionalisme a pesé dans la conception nation. Nèg la Tibonite, c'est nèg comme Jim Nadou. Les autres, yo pas facile pour venir intellectuel, non? Tandem bien ma bol. Nèg la Tibonite pas facile pour une élection parce que l'esprit rustique. Mais là où on nèg la Tibonite venir intellectuel, ils sont nèg qui intellectuel, vraiment intellectuel. Yo pas facile, non? Et pas bête qui nèg la Tibonite pas moun comme si qui vraiment, yo un gens loup. Yon jan lou parce que y a fait wèl nèg de din nèg nan zone sa yo wè zago yo mais yo large zago pie yo ménagé mais yo tè yo ou pa konn son tribu ki yon jan lou tribu sa pa konn ki tribu te soti ki kote te soti en Afrique la son tribu comme Simdadou li manke rafine li rezout problème ni et puis tout ti bagay li c'est mystique yo bon nan coup de poudre yo bon nan pièce yo jab yo rolé champrel a di moun la Tibonite oh talem pa le voye sou ou voye sou moi c'est comme ça moun la Tibonite a di yo gon bas yo gon mentalité mystique yo gon yo kwè nan mystique yo ti baga mystique ti moun la Tibonite toujours mouchwa mouda poche yo charge a mouchwa rouge mouchwa multicolore et pa ti lambé yo kwè nan ougan yo kwè nan jab moun la Tibonite yo nan baga mwen découvri nan moun la Tibonite pa yon converti vrai à 100%. Moun la Tibonite tout m'attendé après les Jésus, bon qui pour comprendre kakaboup yo voye aller pour yo, yo tout à l'aime pas font river en dehors la Tibonite, m'va regarder comment pasteur l'église, frère l'église, li toujours chez Jésus l'église la prêcher, li ceci c'est là, comprendre kaka dans l'église, bon li gon moun ka pour m'aider ou bien voisin ka pour m'aider et puis relé la caille. Pour ça yo est aux États-Unis dans New York. Relé la caille. Relé la caille yo di la caille am gon voisin la ka bon mède gon mède la so al fè pou moi la pou di bon après le problème pou la rapide et comme ça moun la Tibonite yo remet mystique en pile yo remet magie en pile et puis yo remet zombie et pas peuple remet zombie en demouke moun la Tibonite pendant m'a parlé avant la le maison pou yo ti yo le maison pou dans état retard on travaille dans chantierie y a coupé pio y a c'est comme ça moun la Tibonite c'est comme ça et pas essayer m'a bola Moun la Tibonite, dans petit moment, m'a parlé à la, ti bagay, et puis yo va. Kilti régional, yo le gon la lié. Moun la Tibonite. Vraiment? Moun plateau central. Ça m'a mené moun plateau central. Moun plateau central, c'est moun qui gen conviction. On m'a tende tout bagay, moun plateau central, gen conviction et yo papè moun. Moun mè sa la ka moun plateau central. Moun la plateau. Ouais, moun plateau central. Moun plateau central gen conviction. Même, yo gen conviction, même là yo konne. Même les gens qui ont une mauvaise condition, ils ont une conviction. Mon plateau central. Mon plateau central, où est là? Même les. Oui, je suis des gens. Même les, mon plateau central. Regardez, madame Bennett. Je suis des gens. Il prend un peu de temps pour m'apprendre culture. Parce que la Tibonite n'est jamais été exposée à la culture, à la bonne culture. Nous avons culture en linguistique, nous avons culture, ça veut dire terre salée, zone, espace là, li fait nous, vin rustique, li fait nous vin rustique. Et yon nan bagay nèg la Tibonite, yo loyal, non certain sens. Yo loyal avant. Si yo zanmou, Si yo pas zanmou tout, yo dou l'emmerd, yo pas zanmou. That's it. Pour la Tibonite pas kaka avant. Depuis avant yo dou avant, depuis yo pas avant tout yo dou fuck it nan boule figou ou d'accord pas d'accord, fuck you. That shit de période. Dès qu'on a oué, moun la Tibonite pas gen bullshit, pas gen tension, yo zanmou. Si yo pas zanmou, fuck you. Yo gado nan jeu dou fuck you. Yo pas reme forme tête, yo pas reme. Moun la Tibonite pas gen culture hypocrite. Yo pas gen culture hypocrite. Moun plateau central. Yo nan pi bon moun nou gen nan pays d'Haïti, nan région, c'est moun plateau central. Ouais moun plateau central. Mon plateau central, il y a des convictions. Et c'est un bagay, qui est rare pour jeune. Mon plateau central, c'est mon, il y a des convictions. Même normal, il y a des convictions. Tellement il y a des convictions. C'est rare pour jeune mon plateau central shift. C'est rare pour jeune mon plateau central shift. Même des chiffres. Ça veut dire changer en position comme ça. Non. Mon plateau central, il est très ancré dans la conviction. Et, je ne côté pas jeune bagage. Je ne vais pas généraliser. Mais, l'expérience pas moins faire avec mon plateau central. Mon cher, mon plateau central, c'est mon qui a conviction. Oui.
Mon cher, et pas loyauté, non? Faites attention, et pas loyal, me dit yo loyal, non? Yo pas loyal avec moun, non? Yo loyal avec conviction. C'est deux bagages différents. Yo fidèle avec conviction, yo. Hein? Yo fidèle avec conviction. Yo pas loyal avec moun, et pas avec moun, yo. Yo fidèle avec conviction, yo. C'est ça que fait l'or moun, l'or moun, et plateau central, comme si, et campé sous mon position. Yo pesé position avant yo campé sous lui. Les yo campé sous lui, qu'on est yo campé sous lui. Yo solide sous lui. Très solide sous lui. Mouna sud. Oche, mouna sud. Mouna sud intellectuel fini. Mouna sud très intellectuel. Moun nan sud c'est moun ki là nèg sa va faire poue, a fait poue, m'a parlé, ah nèg cultivé vrai moun nan sud. Moun nan sud yo comme si yo très cultivé, très raffiné. Comprenez? Et m'bal nou ti bagay de mesdames nan sud. Mesdames nan sud c'est mesdames qui et ouais mesdames nan sud. Mesdames nan sud c'est mesdames comparativement avec mesdames nan Latibonite. Mesdames Latibonite c'est bousin déclaré, oui. Ça me dit bousin déclaré, nous, Madame Latibonite. Madame Latibonite, et si c'est, oui, ça m'a dit là. Madame Latibonite, they don't care. Là, fait bousin. Bousin, c'est la grande mode. Vous marié, vous faites bousin, vous voulez. Il y a un groupe, fuck. Le bagaille, et souvent, c'est y a bataille avant tout. Madame Latibonite. C'est comme si c'est la grande mode, grand chiré, grand jipon. Ou verbunda yo, ceci, cela. Bon, écoutez, yo pa ke, la fe bouzin. Et yo pa pe, font petit en l'autre nek, yo anon bullshit sa, yo anon kakala. D'ailleurs, yo pa pe foye akrasé. Et pa moun comme si, et pa moun comme si m'bal de moun Latibonite, fom Latibonite pe pou foye akrasé. Gason go na, Latibonite vakabon, yo pa pe pou, yo pa pe comme si pou foye akrasé. De non give a fuck about de foye. Yo pa ke de foye ya, bullshit, ou pe le kakaya le, yo get en genon l'autre nek la, rapid, pe de ma pala avon la, distance wa pale à la, boup, yo ça me dit ti a fait yo pas dans ti a fait couper yo ti bagage yo pas de problème avec ça a fait mais yo plus bay ti bay bouzin en priorité yo plus quoi yo karete en petite pour compte yo ka lever en petite de no give a fuck yo pas quoi dans foyer pas quoi dans famille yo quoi yo ka lever petite pour compte yo ce grand femme yo ka lever petite là pour compte yo dans foyer c'est y a pas l'autre nèg y a pas ceci là ça femme là ti bonu gen problème là mais ouais femme dans sud. Femme dans sud, c'est femme qui très éclairée. Là me dit femme dans sud éclairée. Femme dans sud éclairée en pile parce que femme la Tibonite. Femme dans sud, c'est femme qui connaît l'importance famille. T'as même ça va dire, il connaît l'importance famille. Femme dans sud met un bon petit coupé là. La petit coqué a dehors, li marié, la petit coco, petit coqué, pas de problème à vous, mais pas menacer foi. Pas menacer frère, pas vinn propose ou qu'étant trop rien men. Pas vinn propose ou qu'étant vle vinn joindre nous, pas de bullshit comme ça. Depuis il gétant marié on nèg li gon petit avèl, li gétant gen foyer ti kayli. Maman li kembe ti kala bien bozo, li kembe ti nèg li bien maril bien bozo nan kayli, même là la fait ti coqué à ou, la coqué avec patron nan travail là, la coqué avec camarade ni nan bout nan travail là, la bay tout nèg ki gen ti ba on ti bagay dehors. On ti bagay nan quartier a, non ti bagay nan ceci c'est là pour gérer. Mais pi go pense ou al vin entrer nan foyer, pa gen kaka comme ça. Depuis Maria met pied nan porte là, bon. Depuis Maria met pied nan porte là, bon. Automatiquement, qu'on y a affaire ou a vin relé, vin nan merde, qu'on y a bay foyer k'ap régler, le mari elle à la maison, c'est bagay soir, c'est la famille d'abord. Ça c'est femme nan sud nan parce que le croit nan institution yo relé foyer famille là. Mais femme Natibonite nan bullshit bagay. Ou femme Natibonite nan la mene nèg lan dedans kala. Natibonite nan kaka la mene nèg lan dedans kala vin plein monde lan dedans kala. Li don give a fuck about you. Li pa care de ou. Bon tout rense même li bonjour. Li pa nan kaka avec ça. Mais femme Natibonite li comprend importance mariage. Ou man, li comprend importance mariage femme Natibonite. Li mais ça va pas empêcher ça va pas empêcher le fatibouzin non?
Hein? Faites attention, et pas ça me dit non. La fête tibouzène, la coquée avec gros ceci, gros boss, gros bagay. La ba ou ti kouke ou ti koke ou, le qui doit faire ti kobli pour le prendre ti promotion, pour le prendre ti bagay, pour le gérer, pour le gérer. Et a fait l'orive dans l'orive dans le pays, l'orive en Haïti, l'orive dans l'État, ou je n'en pile femme dans l'État, dans l'administration. Femme dans l'État, dans l'administration. Parce que c'est femme qui pas chiche dans ti bobot yo pas chiche dans ça. De vous chef y'a ba ou ti koke, ti chef de service, y'a ba ou ti koke pour le prendre ti promotion, dans banque yo, directeur banque, y'a ba ou ti koke lit lit. Mais, yon kwen nan mariage. Pendant ce temps, yon toujours un petit bazar, un petit ménage en côté, yon serré pour yon marier. De quoi pour les parents devant l'église, yon marié avec ménage ça, mais bagay, ça c'est ménage. Yo. Et puis, yon sa fondi, yon y a koke à boss là, y a koke à nek de yon, y a koke à patron, y a koke pour yon prendre promotion, et puis les marié yon invité patron. Y a marié tellement sociable, yo sociable. C'est moun sociable, y a invité patron, y a présenté patron Mario comme si rien n'était. Vous comprenez? Mais c'est foyer pas, y a géré, mais y a coqué à gauche à droite. Mais yo pas craser marié foyer. Yo pas dans divorce, yo pas remé divorce en pile, yo plus remé, yo remé structure, yo très structuré. Vous comprenez? Yo très structuré. Yo connaît bagaille dehors, c'est bagaille dehors, bagaille en dedans caille, c'est bagaille en dedans caille. Quand yo dehors, yo fait l'obéi. Ça te passe dans travail là, rete dans travail là. Coquet qui fait dans hôtel là, rete dans hôtel là. Coquet qui fait dans travail là, rete dans travail là. Tout bagaille qui fait dehors, rete dans travail, yo pas mener la caille là. Et pourquoi yo rentrer la caille là? C'est madame mariée yo dans quartier là. Depuis on a quartier là, c'est madame mariée yo. C'est la madame. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Pensez toujours dans point de Jolio. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ceci, cela. Et puis, bah, ça te fait rien. Ou quand tu as mis la caillou, yo vas mettre une coquille à patron de yo. Yo fin koke a batman, yo fin koke avec tout monde yo, yo fin koke a ceci. Quand yo rive la kala, Maria met besoin ti koke a balin. Yo a des problèmes, depuis c'est Maria a besoin ti koke, yo tellement à l'aise dans ça. Yo a bay Maria ti koke a de pour yo krasé, pour Maria pa gen mou, pa pensé en yen. On bon, y a géré Maria, y a géré foyer. C'est femme qui compte gérer foyer. Femme non, c'est femme qui compte gérer foyer. Femme non, c'est femme qui compte gérer foyer. Yo bon, yo bat une koke de yo. Y'a pas de bagay, y'a vin dou, y'a fin koke, puis s'attende à la mari a besoin de ti bagay, y'a pas de bay mari. Y'a pas de koche konse, au contraire, y'a bay mari un ti bagay pour calmer dossier, pour mari. Pour mari, y'a pas même gen intention, pense que yo te de yo. Y'a pas de kaka konse. Fom sa tellement fait affaire au propre, yo très procédural. Son dal moun qui très procédural. Yo kon tout bagay, et puis yo propre. Sa mwen mena fom nan sud, yo propre. Fom nan sud propre, pile! Femme dans sud, oh Jesus Christ. Femme dans sud clean, yo propre, yo senti bon. Yo toujours dans studio, yo toujours fait cheveux, yo toujours bagay, yo toujours fin arraché, yo toujours au pépin, on prend petit jip, yo petit bagay, très sexy, très bagay de bien. Quand ta femme là, bon, go l'autre femme là, des femmes zéro cette bail pour des pays, on beau sale net, bagay te charge net, oh bay, ouais, parce que l'eau bay qui gagne dans bazar. Quand ta femme là, femme non, vous en pile, riziers, c'est eux les bagues. D'ailleurs, on va kembe femme non. On va kembe femme non dans bousin. Femme non, on va kembe ça dans bousin. Ou kembe là, je dis à la lidou pas, ouais, ça ouais, il va oui. Femme non, non, on va bête riziers comme ça. Ça ouais, ah bon, cher. Ça ouais, il va s'acheter. Et va oui. Et souvent, c'est au quittel, la prétourne pour non, magie. L'abdou. Ou pas qu'à quitter femme non comme si comme ça. Jamais. Pas rien caca comme ça. Comme si pour quitter elle, comme si peut-être ils font petit bousin. Bullshit. Femme non, ils font petit bousin, kembel, premièrement, ils doux, ils pas gros, pas kembel. Après ça, ils doux, oui, ou que, ou gaga, ou gêne, ou gêne, ou du kembel, c'est là. Après, quand ça le fait, automatiquement, bagage, c'est là. Oup! Ça va dire là, là, l'antimagile pour le menon vini. Et là, ils pas d'accord avec comme ça. Femme non, oui. Grand monde, la petite magie la pour là, et puis là, regardez là, ou lui voit son nez qui est un jaloux, ceci, cela, lui croit dans petite magie, là, il fait petit bagage, met en bas, il fait petit ceci, il met petit bagage dans manjo, il gère où pour le mettre au chita. Femme non, aurait même été nek chita, ça c'est kinom, il a fait toujours doux, ça c'est kinom, il y a un petit kinom ni là, en bas, brali, mais il met petit bousin. Quand le suspect, je commence à caler là, je commence à veiller pour kawel, pour bagage dans le bousin, là, le côté, là, femme non a toujours bon ougan k'ap jere. Femme non a toujours bon ougan k'ap fè ti recette pou li, ti travail pou li, ti bagay, ou konprann? Femme non a remè al kay ougan pil. Femme non wè la.
Fom nan nan ou gen zel ti ba, trete ba, ti ba, li toujou konose de ti ba, koumet dam, ombran, bagay pase jipon sou neg, fese si, fom bagay, ombran, te kon sa, fom nan nan kon koman pou, fom bagay, bel jere de nego, ave ti mistik yo, ti ba jere, bagay se 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 la, e ba fwaye l vreman bagay, non, ni ba, e ba fwaye al vreman ka bagay, non, men, li reme ti, ti mistik lan men, fom nan nan reme rezout ti problem ni a mistik. Mwen nan nou reme kom si ti mistik lan ti fok toujou gon ti piyes, kon ti bagay pou mette bon tèt neg la, koman li toujou a pose tèt li kesyon, ma kon si son problem de konfidans, koman mwa fe kenbe neg sa la, rompran, fom kenbe misye la, misye se ki nan mwen kenbe la, men pendan se tel pa kenbe l kom si pou l kenbe l, paske li kenbe la pou l neg la ande dan reme le neg la la, menm le la fe bouzen men fok neg la la, rompran, men neg la son neg ki anti jen godou bout, Les nèg la si tout son nèg ki bourri ki se si se la, faut gérer nèg la avec image lon, parce li vle kembe ça, fòm kembe ça la. Ça c'est comme si c'est son bagarre avec pot tête pa li. Faut kembe ça la, ti nèg ça la, fòm kembe la. On prend ça vie ki nan bagarre si se la, ay vie ti ba mwen, li toujours fait ti manger bouzin rapide pou nèg ça yo. On nan dou, on nan konn konn non. Fòm pa pres élimine. Yo va konn l'école. Yo kwa nan moute machine devan nèg machine nèg moute machine gros chef yo rete nan tout quartier ki gen yo pa kwa nan l'école yo kwa nan l'argent yo a les avec drogue dealer yo a les avec drogue dealer yo pa gen moral fòm bon prince pa gen moral fòm bon prince an dabay ba yo rele moral la pa konnen di tout grand moun tout so ap di sa la tout so ap di yo la pa dérange ni nan show ni nan fwet Côté l'argent y a, côté pouvoir y a, et là, comme bon ouvris, non. Comme bon ouvris, camarade, dans les mentis là, dans le clair, côté pouvoir l'argent y a là, c'est là le bail au champ. Ah, fait wabin palé, li met tant de yo arrêté negla là dans volo, li met tant de yo arrêté drogue dealer là dans volo, hein. Tout neg yo arrêté là, quelques agents yo ouvri la camarade, Moun kade, fam pa ou prince pa gen problème avec ça. Depuis nèg la kabal $500 américains, depuis nèg la kabal $4000 américains, depuis nèg la ka gérer dossier, camarade, li pa gen aucun problème. Ay ba bullshit, dal pa kwen nan institution, li pa kwen nan mariage, li pa kwen nan ceci, c'est nan liminal quoi. Grand cher, grand créer, grand ceci, grand bagage, c'est nan liminal, c'est nan ouvert monde li quoi. On fait créer, fait ceci, fait cela, li pa dal D'ailleurs, c'est lui-même tout qui toujours vient parler de ceci, de ceci. D'ailleurs, pas qu'on a l'école. Attendez, l'école, là, lui, il vient en quatrième année fondamentale juste pour le faire brassage. Juste pour le faire brasser. Juste pour le faire brasser. Mais lui, quoi, dans faisant, lui, quoi, dans ceci, lui, quoi, dans grillé, bon, dans lui, quoi, dans côté, lui, quoi, dans l'obéi, lui, quoi, dans changer couleur, pour lui, quoi. Parce que tout le monde y est. Faut le jeune nègre là pour le faire l'argent. Allez, c'est derrière l'argent, il est parti. C'est comme ça, femme pauvre, sinon, il va vraiment la donne. Vraiment. Mais quand ta femme, gon l'autre calibre, femme monsieur, femme bord de paix. Oh! Femme bord de paix, femme qui gère garçon. Mais femme bord de paix. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais femme bord de paix. Je dis femme bord de paix. Et femme qui bat garçon tout. Je ne sais pas. Je dis femme bord de paix. Gère garçon. Femme bord de paix. Je dis femme bord de paix, machin, dis tout. Je dis femme pas de paix à baptiser ça me donne femme pas de paix femme qui gagne qui toujours et comment on dégage toujours une mentalité comme si et yo croit comme si il y a besoin pour nèg yo agent gens yo mettre pour nèg là en gens mais au besoin yo prêt depuis yo aller en côté faut yo acheter pour nèg là faut te ken nèg là yo renmé ouais comment yo renmé ouais yo prend plaisir yo là dépenser pour nèg Ben, yo di, bon, ça me donne, yo di, fom pa de pe, papa, sou jen fom pa de pe, te ke ou, la pe to kampe, la pe se si, bagay, tennis, jean, mayo, se si, la pe te ke ou, met machine en ba, moun do ou le, sa yi fom pa de pe, sa yi sa me donne, bon, yo sa me konne, bakon si se vre, bakon si se vraiment, si se menti, bon, ya yi sa yo di, mde fom pa de pe, yo di, fom gros mon, ah, fom gros mon nan, yi lobe net, yi 07, fom gros mon, yo di, me lobe, fom gros mon nan, Je dis, maintenant, toute femme ça yo, on respect, on respect et pour femme dans le sud. Malgré les gens qui sont bonnes, on respect pour femme dans le sud parce que femme dans le sud,
Moi, mes femmes latibonites, moi, mes toutes femmes haïtiennes en doute. Mes femmes dans le sud, par le fait que j'ai deux bagages qui toujours attiré mes femmes dans le sud. Femmes dans le sud, y aurait mes foyers. L'important, laisse une femme mouiller pour mes foyers. Pour pas quitter foyer ou craser n'importe qui, vent craser foyer. L'important. Parce que foyer, elle est craser, il va le commettre un pile de dégâts dans la société. Moi, mes ça dans les femmes dans le sud. Femmes dans le sud, toujours, mec chou. On met tant de tout bagage, même la fête bousin ou de yon, mette foie et arrêté, solidaire. On prend nègre anti-jean comme Zimdadou. Et yon anti-jean by Maria, un minimum de respect. On prend même la fête bousin, oui, mais yon kembe le de yon. Yon très secrétive. Femme dans le sud très secrétive. Yon kembe ti secret, yon très, très lit. On prend yon mouri avec secret à nan kè yon. On nous dit, on prend bot yon remè jiré, yon remè foie et yon. On nous dit, yon remè foie et yon. Yo fin nan sa men. Yo remen fwa yo pitit yo mari yo, yo remen pou papa pitit yo nan vi pitit yo. Se yon gogoze, lof ken fwa yo, se gogoze. Yo pa bourik. Mam nan si pa pro bourik. Ou kon yo rafine, yo pa pro bourik, yo pa sauvage. Mem le abo, yo bagay yo swa, yo anti jan, kom si gon ti rafinman la kay fom nan sudan. Mon fom nan sudan anti jan rafine. Ouais, là la fait bali, il fait affaire propre. Les femmes dans sud a servi on nèg manger, c'est belle bagaille. Les femmes dans sud a servi mari il manger, les mecs choule bien servi mari il manger. Femme dans sud dans les compte ça, ça veut dire digérer froid il. Et gogozé. Et go y a fait femme dans sud toujours pas promotion. Non capitale là. Sous l'autre femme de l'autre côté. Et femme dans sud comme façon de gérer. Femme dans sud dans propre, femme dans sud dans li propre. Fucking deal. Même pas qu'on femme dans le sud, m'a côtoyé depuis les Haïti pour pas propre. Yo propre! Fucking propre! Femme dans le sud, toujours propre! Femme dans le sud, t'es pas mon cabine, mette gros mou, sorti dans la rue, fait caca! Non! Femme dans le sud, sorti la petite, li mec chou. Femme dans le sud, toujours mec chou, le dernier grain de parfum, en serré, sentiment! Et femme dans le sud, quel femme dans le sud, s'il passe par côté, t'en as tellement sentiment, et vous campez pour vivre, regardez tellement, vent pas faire femme dans le sud, tellement sentiment! Femme dans le sud sentiment en pile. Et puis, yon toujours prend son cheveux. Yon toujours allant. Non. Yon fait Limena, pas au prince toujours père femme dans le sud. Limena, pas au prince toujours père femme dans le sud. Femme dans le sud, c'est femme qui. Femme dans le sud éclairé. Femme dans le sud éclairé en pile. Yon parle de éclairé. Yon peut éclairé dans forme Limena, non? C'est pas de éclairé, ça va parler, non? Femme dans le sud toujours qui français dans la bouche. Li. Même là, elle pas maîtrise français à net. Mais toujours les français en babouche li, tu sais si, tu sais là, tu côté si, hey, comment vas-tu? Vas-tu, ça va et toi? Alors, femme dans le sud, c'est comme ça. Et puis, on remet kikit. Femme dans le sud, remet kikit. Pas remet femme qui pas remet kikit. Et pourquoi femme dans le babouche met kikit son problème? Et pas kikit go, et pas kikit tambour, et tiban, ou non? Qui fucking kikit tiban? Kikit est guy. Là où on femme avec un kikit est guy, c'est go, c'est. La femme nan gon ki kite gi en bas pile. Femme sa macha ki kite gi. Et là, la femme nan éclairé vre. Ki kite gi. Tac, la porte rentre dans l'église. Tac. On. La porte rentre dans l'église avec ki kite la. Tac. Bon, bel bagay. On. Mais de bon femme tout jounen, c'est sa pat nan pile. Tout jounen, c'est on se de gros bagay. Que bullshit ça, men. Yo, vrai. Femme dans le sud, c'est bagage soi. Maman. Ça va le dire pour chaque monde l'autre côté, pas bah, non, mais femme dans le sud. Maman, ça c'est ça son bagage, je suis bien. Femme dans le sud, dans l'igue ça la kali. Faut balir le côté lia. Hein? Femme dans le sud, femme dans le sud, dans son l'autre bagage. Dans le sud, dans son l'autre bagage. Maman. Oh, femme dans le sud, il pas dans faire magie même j'avais négo cap. Femme dans le sud, peut-être parle déjà son magie. Femme dans le sud, peut-être parle de son magie lié. Femme dans le sud, pas dans faire magie pour femme pour nèg même j'avais négo cap. Femme dans le sud, bon traitement ba ou en vérité ça seulement son magie. Femme dans le sud, toujours faut sentir comme si exister un paquet causé. Comprendre comme si ou son paquet. Femme dans le sud, bon gens prend, li dévoli faut sentir comme si son paquet l'obéi. Ou pas comme si t'es enflé tellement de gens. Bon traitement, femme dans le sud, dans bas, ou comme si vous sentiez ou sentiez ou pas qu'être causé. Maman, ou pas qu'être causé. Garçon remet ça, l'homme femme fait le sentiment, pas qu'être bagaille. Femme dans le sud, là, faut sentir ça. Oh,
Comme si nous toujours, c'est mon ami, mon mari, mon mari, mon mari. C'est comme ça, oui, là, on a travaillé. Mon mari, ceci, mon mari, ceci. Menti, oui, et puis, y a coqué avec le directeur, travail là, oui. Mais, ou pas, quand on est comme ça, tout fait. Yo fait. Yo sensi pour réputation, yo fait. Y a coqué avec le directeur, travail là, mon pas, quand on est comme ça. Ou pas, quand on est comme ça, dit tout. C'est retour, retour, à femme dans le pour une promotion souvent en dedans travail là. Mon pas, j'aime qu'on a fait. Hein, la coquée avec directeur de travail là, la coquée avec chef de service là, la sou ou pas contre barré, comme ça dit tout. Très professionnel dans le travail. Mais la baye ti coquée dans l'hôtel, la baye ti coquée dans la machine, la gère directeur de travail là, tout bagay. Personne ne va contre cause. C'est retourne comme ça, tandis qu'on promotion dans figure en dedans là, ou même qui t'a fait beau sale, qui pas de kanka pour faire politique là ou kaka. Retourne, ou tandis qu'on promotion. Et puis, il y a une promotion sur qu'on a pensé, c'est sur qualité, il y a une promotion, menti. Là, j'ai géré dossier. I love that. Moi, mes femmes, j'ai eu un petit gain. Et puis, il y a un secret. Ouh! Femme, non, c'est une bête qui a un secret comme ça. Une politicienne, il y a un secret. Très, très bagaille. Bon bagaille. Pas mon propre, pas mon soin net. Très protocolaire, il y a un bagaille. Pas mon soin, pas mon soin. Pas mon soin. I love that. La culture, culture sud, la moi, mais là, I love it. Moi, mes mon qui, femme, non, sud. La femme, non, sud, habillé. Il y a une façon, même cheveux font dans le sentiment. Ils font dans le sentiment, la coiffe, la dans le studio, la fait cheveux, la fait zombie, cheveux le bon genre, cheveux le fait sentiment. Maman, font dans le sentiment, toujours petit Paul bien raffiné, il n'y a pas de gris, il y a gil. Font dans le sentiment, toujours senti, il y a toujours bon genre. Maman, il y a un jeune fonctionnaire avec col, il y a un jeune québécois. On va postuler, on carrure. On va Je vais vous dire. Magie aïe, un traitement. Comme dans le sud, là, c'est nègre, et pas mon cap paix. Hein? Là, tous ces mots d'abord et tout, pour battre avant dans le cas. On a dit bonit pas dans le cacao, on a dit bonit pas dans le boucher avant, mais, quoi qu'on fait manger pour yo géro, yo fait manger bien, on a dit bonit qu'on fait manger bien. On a fait manger à la partisan, y a bon manger trois pendant ma parole. Voilà. Mais puis, quoi penser comme si, ou rivé avec fond la tibonit. Non, garçon, et notre traitement, y a fait manger pour vous, y a bon manger, bien manger, ou bien manger avec fond la tibonit. Mais puis on pense comme si yo pral nan comme si vinn prend et bagay vinn bo tout importance. Sou pense ou avec fond la Tibonite, ou pense ou grand pin importance parce que maria avec ou mais bullshit. La Tibonite pendant toute littérature ça wa ka ko parler là. On va parler à ola là, pendant m'a parler à ola là, yo getan la sou la ou chercher ou. Bullshit ta ola, bagay pendant toute littérature, culture. Il tout bagage à comme ça. On va dans tout grade d'autre ça. On va. Même toujours dire un examen, m'ba bagay. Mais sous on est comme si qui besoin font des fois. On va dans du gende faut garder et aspect régional ça. Faut garder aspect régional ça parce que moun la Tibonite très conflictuel. Moun la Tibonite très conflictuel, très conflictuel. On va nous pas mon la Tibonite c'est pas mon comme si qui résout problème easy. Mon la Tibonite ça te fait conflictuel c'est parce que mon la Tibonite les avant mon yo avant. Et c'est ça te fait conflictuel. Yo avant mon yo avant, yo pas aimer mon
des yo, yo pa renmen moun ba ou menti, yo pa renmen moun manke ou des gars. Moun la Tibonite doun toujou, mpa pran sa nan men, on renèg la Tibonite, comme si gon ego quelque part. Et a fait nou anti gen conflictuel, nou pa pa résoudre problème ni en meyab. Non, on comprend, il pa résoudre problème ni en meyab. Moun la Tibonite toujou, hein, moun la Tibonite toujou comme si mdado, yo toujou prêt pour mon bon. Le banan l'obé avant, vous toujours pensez vous prêt pour lever Jipon yo, et puis yo estera, comme la Tibonite estera, comme la Tibonite estera, comme la Tibonite pas pe campé dans quartier là pour lever Jipon, lever dans tête, li estera, il a blié s'il te gen mari pour la bataille, il a petit l'obé, vous connaissez de l'obé, apparaître la lever Jipon, le mise, lever au tête, li, et ma ka, mon bon. Ba doué celle la Tibonite nte wè bagay wè pou yo renon bon rara kali pantalet. Ou tande comment renon bon rara dans la Tibonite kali pantalet. Mesdames yo chaque bon rara wè mesdames yo. Mesdames on dal mesdames ki marié et puis yo mette pantalet seulement pour y aller danser rara. What the fuck is that? You know, I mean they don't give a fuck. Yo pa kè de mari, yo pa kè de kay, de foyer. They don't give a fuck. Là prend plaisir, yo prend plaisir jusqu'au bout. Mais ay femme la Tibonite, yo sans limite. Yo ni réserve. Man, et yo pa pè bataille, yo pa pè casser jolou, yo pa pè tirer coup de poing, yo pa pè faire stéra vinn devant la caillou, vinn frapper portaillou, vinn mande bataille. Alobé. Et pa de lobé, mon fòm mon la Tibonite. Fòm la Tibonite. Ouais, de pour fòm la Tibonite t'ap nan marché la Tibonite, toujours gen goumè, de brivé nan marché la Tibonite. Toujours gen goumè, toujours gon bataille qui pété nan marché a. Marchand ça, té besoin place pour de lobé. Qui gagne, bâti l'obé. Et voilà. Et vous m'en sud, la grande façon de résoudre le problème, ni. Faut m'en cap la li, même pas un problème à vous. Vous m'en quel dégât, la grande problème. Moi, m'en cap pas, j'aime guette pour le bâtard. Kaka, li quoi nan ti magie li, li quoi nan ti recette li, li quoi nan ti ougan. Tale la, li pas d'on merde, et puis le résoudre le problème, ni avec ti ougan, ti magil, ti lilit li ba, et vous allez, le manjou la, pas de ma palavre la, le manjou. Li pas nan kaka, wow, si la, tout côté côté le guette pour la, non, si la, c'est son fait, ok, bagne, vous allez, bloup, Et puis yo très sociable. On nan sud très sociable. Même ti moun yo levé, même moun ti moun yo kap levé nan sud yo sociable. Yo sociable. Comprenez? Et puis yo gon façon trito ki vraiment extraordinaire. Comprenez? M'a fait et pa éloge m'a fait pour moun nan sud, non? Comprenez? Mais ça pour yo a faut ba yo mon nan zou faut ba yo li te m'explique nou bagay si m'pense c'est menti m'a bay ou la ou ke doit ou entend gen gang la Tibonite ça vient c'est là nèg za m'a fait makak nan la Tibonite j'ai de gang nan la Tibonite m'a dérangé c'est là ou tant de bagay comme ça dans les sites là. Pourtant, des nègres zam à gang finement d'enragé. Mais parce que y a des mécanismes de résolution de conflit. Y a des mécanismes de résolution de conflit. Y a des mécanismes sociaux de résolution de conflit. Nèg la Tibonite pas gain. Ouan. Nèg la Tibonite pas gain. Ouan. Nèg la Tibonite c'est comme si que pas de mécanisme de résolution de conflit, c'est n'importe quoi. C'est ça te fait au sentir, et ça te bat au respect. Là, au couper tête ton ex, c'est ça te fait au respecter.
On depuis au coupé tête on nèg là tout monde connaît ou pas jouer ou un tel te coupé tête bricouri un tel c'est gros causé le coupé tête un tel c'est gros lobey qui que ça veut dire bal respect dans zone là li pas dans caca oui c'est comme ça c'est manque pas un mécanisme de résolution de conflit ouais pas un mécanisme de résolution de conflit ouais so en réalité nous tous ces haïtiens nous tout gen place nous tout gen rôle nous te fait ti approche régionaliste là dans dimension culturelle nous et sociale nous pour montrer nous que réalité haïtienne là son réalité qui est extrêmement complexe ouais réalité haïtienne là son réalité qui est extrêmement complexe et complexité réalité haïtienne là c'est ça t'expliquer tout li joue un rôle tout pesé dans façon nous faire politique parce que nego kap la nèg nan noir vini nan politique pa ou presse avec bagage culturel li régional li nèg Latibonite nan vini a bagage culturel li régional li nèg nan sud nan vini avec bagage culturel régional li lèl vini avec ou en dedans la Gonaïve en dedans nan capitale la konn a tout nèg ap utiliser bagage culturel yo pou yo frayer chemin pou yo passer pou yo river avan. So, mes chers amis, en réalité, son bon petit temps avec nous. Moi-même, je dis nous ça, je respecte tout le monde. Je vais tout le monde place. Je ne vais pas pour qui côté bas à la So, l'essentiel, c'est que je pense que, à un certain niveau, si l'État haïtien n'était pas responsabilité, je ne suppose pas responsabilité, nous n'avons pas vraiment arrivé à mettre ensemble de. Moderniser le système éducationnel noir et puis nous favoriser l'émergence de une nouvelle culture en Haïti côté que nous apprendre mais on l'autre apprendre apprécier valoriser monde valoriser et puis apprendre petit monde dès le plus jeune âge pour apprendre comment pour résoudre problème au moins c'est un bagage fondamental pour apprendre petit monde comment résoudre problème pour apprendre vivre en société apprendre vivre en société dans le respect commun, respect mutuel. Ça, c'est valeur, ça, on nous doit apprendre un petit mounio. Il n'y a pas tout bagaille pour nous courir monter à la couline, il n'y a pas tout bagaille pour nous courir monter pour manchette, il n'y a pas tout bagaille pour nous courir à la coupe poudre, il n'y a pas tout bagaille pour nous courir d'imbal pour un zombie, ou c'est pas tout bagaille pour nous courir d'imbal au gant, il n'y a pas tout bagaille nous gon. Ça veut dire qu'il faut apprendre, mettre en place des institutions qui vous permettent de résoudre problèmes nous améliorables, pour apprendre des cultures de dialogue. Pour nous cultiver le dialogue, pour nous cultiver consensus, pour nous cultiver compromis, pour nous sauvegarder ça où est le tissu social là, pour le tissu social nous pays a pas déchiré, pour pas déchirer, pour pas toujours tomber dans crise, dans conflit. Comprendre? Faut nous apprendre ça. Si l'État arrive à faire ça, la bonne société qui pacifie, la bonne société qui a des mécanismes de résolution de conflit, la bonne société qui permet que nous capables éviter crise. Et c'est ça qu'a fait là la politique. Nous pas qu'à jouer un accord, nous pas qu'à jouer une chita ensemble, nous pas qu'à décider ensemble en commun accord dans le respect mutuel. Pour qui raison nous n'avons pas cette culture? Nous n'avons pas cette culture, nous avons une culture bossale, culture déchoucage, culture crasée, brisée, culture à les âmes. Nous toujours résoudre problème, nous pas la force. La culture du droit, nous pas gagner un mécanisme, nous pas gagner, nous pas mettre en place. Nous pas mettre en place. Même les yo là, nous pas voulons utiliser nous, nous pas voulons utiliser nous parce que nous prenons fierté. La façon nous résoudre problème pour me dire moi-même craser un tel oui m'ka monter sous m'ka frapper mondo m'ka plein mondo m'ka presser c'est là au moins même pour y a fait on député camper en dedans parlement pour dire moi-même m'tier monde déjà moi-même ra manger moi-même casser c'est un problème dans ça nous avons pas cette culture et bien, mes chers amis c'est un plaisir pour me dire avec nous et je dis j'espère que nous avons passé un très très bon moment avec nous et encore une fois de plus Jean-Frédéric nous souhaitons, moi-même personnellement, nous souhaitons mes condoléances pour perdre ça ou faire, pour papa ou qui passait. Et mon cher, c'est bien malheureux. Eh bien, nous portons tout support nous à vous-même. Passez bonne fin de journée, nous saluons tout le monde. Bon dimanche et à très bientôt. Ciao.